absolument merveilleux et ça me fait Bienvenue dans la sainteté, bonsoir. Voilà, je suis content de vous. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, ma bien-aimée sœur. Bonsoir, frère Junior. Ça va, le frère Trabi, du côté d'Abidjan, ça va? Oui, ça va. Tout va bien, par la grâce du Seigneur Jésus. Vous n'avez rien vu ce soir sur mon écran, n'est-ce pas? Vous n'avez rien vu, pas vrai? Rien du tout. Rien du tout. On ne dit pas un seul mot. On ne dit pas un seul mot. Que le Seigneur seulement les bénisse, pas vrai? Amen. Amen. Amen.
La sœur Myriam du côté de Stock. Bonsoir. Bonsoir, frère À Junior. 70 km au sud de Londres, c'est ça? Passant par Birmingham, bonsoir et bienvenue. Amen. Comment tu vas ce soir? Va, frère Mais on ne te voit pas sur ta caméra, tu vois tous les gens. J'ai dansé ici juste parce que j'ai la sueur. Vous voyez, j'ai la sueur là. La sœur Ami, bonsoir. Où est Chelsea? Je l'ai vu tout à l'heure. Où est Chelsea? Chelsea, bonsoir. Bonsoir, Chelsea. Oh là, son micro, le micro de maman a fermé le micro, elle a oublié, on n'entend pas la voix de Chelsea. Bonsoir. Bonsoir, Chelsea, ça va? Oui. Là, comment va maman? Vous allez voir Chelsea maintenant. Tu vas bien? Voilà, Chelsea prise sur photo. Tu es content, n'est-ce pas, Africa? Alors, la sœur Ami, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Tout va bien? Oui, en grâce, merci. Amen, Ça amen, va. amen. Aurélie, bonsoir. La sœur Aurélie, bonsoir. Ça va, Aurélie? Voilà, Aurélie aussi là maintenant. Voilà. Il manque. Mireille, La sœur Mireille. bonsoir. La sœur Mireille, bonsoir. Bonsoir, mon frère, Ouais. bien. Ouais. Bonsoir, tu es là. Je dis Ouais. que je te dis bonsoir ici, mais porte à nos bébés, Ouais. ça va. Là. Bonsoir, ça va? Oui. Oui, on fait toutes les photos. Ça, ce sont les photos de famille maintenant. Oui. Vous êtes bien arrivé? Oui, ça vient par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Voilà, c'est la salutation des bébés ce soir. Ça, c'est Emmanuel là maintenant. Nous allons voir Emmanuel là. Voilà, elle va dire bonsoir à ton frère Junior. Oui. Non, fais pas ça, Elle a d'accord. maintenant, elle a arraché la caméra. C'est Emmanuel là, ça. Voilà. Pardon. Belgique dans la CTT, Bonjour. bonsoir. Le frère Frédéric, voilà, Voilà, attendez, on finit avec les enfants d'abord. Bébé Emmanuel, bonsoir. bonsoir, tonton Julien. Voilà. Bonsoir. Elle est où? Elle est où? Emmanuel est où? On va la voir maintenant. Voilà. On va prendre Emmanuel en photo. C'est bon. C'est parti. Et puis c'est envoyé. Merci ma soeur. Bonsoir et bonsoir. On prend bébé Chana maintenant. Bébé Chana, elle est au bébé Chana. Bébé Chana. Voilà, bébé Chana est là. Ce sont les enfants de la sainteté alors. Les enfants de la sainteté. Non, c'est bon, c'est parti là maintenant. C'est parti. Voilà. Bon, elle ressemble plus à. Comme le frère Travis n'est pas là, comme il n'entend pas, on dit elle ressemble à sa maman. Bon, c'est ça. Voilà. Ça va bébé Chana, bonsoir. Chana. Ben, voilà. Papa Junior. Allô, bonsoir, bonsoir. Oh Bonsoir. le frère Trabi, je crois que tout le monde est installé ce soir, n'est-ce pas? Oui, très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Aurélie Aurélie et Chana. Le frère Trabi est là. Le frère Trabi est là, on ne le voit pas. Ok. Ça se passe bien à Abidjan? Oui, ça se passe très bien. Alors, on écoute En tout encore cas, ça. ils sont dans la maison. Ah oui, ça. Allez, salut de tout le monde. On continue avec cet extrait musical avant de revenir tout à l'heure, d'accord? Oui. Je sais que je suis en paix.
seulement avec Jésus. Amen, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit. Croyez en son saint amour qui libère. Au monde, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit. Croyez en son saint amour qui libère. Au monde, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Père, tes enfants ont faim. Et je prie, Père de gloire, pour tous ceux-là qui, en quelque lieu que ce soit, écoutent cette voix, que tu leur donnes la nourriture et que tu rassasies leur âme de ta présence. Je prie, ô Dieu de gloire, pour cette femme qui avait la perte de sang, qui entend cette voix maintenant, que cette perte de sang s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Dieu de gloire, pour cette autre femme qui appréhendait des esprits alors qu'elle marchait au derrière d'elle. Je prie, ô Dieu de gloire, pour cette femme qui tombe sur cet enseignement maintenant, qu'elle sache que c'est cette voix qui est en train de s'adresser à elle. Qu'elle soit délivrée de cet esprit au nom du Seigneur Jésus. Je prie au Dieu de gloire pour ce jeune homme qui bagarrait et luttait encore avec le péché sexuel. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes, au Dieu de gloire, d'être fortifié et de savoir que tu es là, malgré les cris et les répétitions de son péché. Je prie, Père, pour cet homme, au Dieu de gloire, qui trompait sa femme et qui tombe sur cet enseignement, mais qui vit, au Dieu de gloire, avec la Bible entre les mains. Je prie au Dieu que tu lui donnes de déposer cette Bible maintenant et fléchir les genoux alors qu'il entend cette voix. Car c'est ce moment que tu as décidé de lui parler. Tu veux le délivrer de cette chose mauvaise que Satan a infligée dans sa vie alors qu'il était encore au lycée et qu'il avait commencé avec la masturbation. Je prie au Père que tu la visites maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ce jeune homme, au Dieu de gloire, qui se cache chaque fois pour se masturber et que tu as, au Dieu de gloire, montré dans la vision. Je prie que tu le visites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ces enfants, Père, qui ont soif de toi dans le monde entier. Tu as dit de parler et que tu habiteras dans leur cœur. Je prie que tu te feras un chemin dans leur cœur et que tu entres et que tu y résides. Père, pour ceux qui m'écoutent ce soir, je prie que tu bénisses chacune des maisons. Que tu parles aux gens selon ta volonté ce soir. Nous nous soumettons entre tes mains. Tu sais qui est au devant de toi maintenant et tu connais toute notre pensée. Ce qui est caché dans les ténèbres, Père de gloire, tu le connais entièrement. Je prie, Seigneur, que tu éclaires les ténèbres de nos vies, que tu éclaires nos cœurs et que tu disposes nos cœurs à l'écoute de ta parole. Père de gloire, transforme nos cœurs par ta gloire et pour ta gloire, car tu nous as appelés à la louange de ta gloire. Je prie, au Dieu de gloire, que tu nous accordes la grâce de t'écouter et bien te saisir, te comprendre, au Dieu de gloire, afin de marcher dans tes voies. Donne-nous de te connaître. Donne-nous de vivre selon tes voies. Donne-nous, au Dieu de gloire, de nous éloigner du mal et de vivre dans ce monde si Père de gloire sans péché, ce monde en pleine effervescence du péché. Ce monde de perversité à outrance, donne-nous de vivre dans la sainteté. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de marcher dans la droiture, dans la justice et dans l'intégrité. Donne-nous, ô Père de gloire, de te craindre et de marcher comme toi tu veux. Je prie pour tous ceux qui écoutent cette voix, Seigneur, Dieu de gloire, que tu les visites d'une manière ou d'une autre. Tu connais les besoins de tous ceux dont je n'ai pas mentionné ici, Père. Et je prie, Seigneur, que tu les touches au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple dise Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service ce soir. Je suis à votre service. Je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse. Alors, de l'autre côté de l'indépendance, la place de l'indépendance du côté de Dakar, bonsoir, la soeur Mimi, bonsoir et bienvenue. Je crois que son micro doit être fermé du côté de Dakar. Qui fait un crochet dans Belgique dans la sainteté. Oui, j'ai fermé parce que je suis. Voilà, maintenant. Je suis en train de faire quelque chose. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui sont de m'écouter. Je ne parle pas de vous qui sont de m'écouter ce soir. Je ne sais pas pourquoi ceci est dirigé de cette façon. Qui le frère Frédéric, bonsoir. Frédéric Maillot, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon, ton micro ne donne pas bien. Tu m'entends bien, mon cher? Oui, j'entends. Voilà, là, parle fort dans ton micro, d'accord? Ok, ça va. Je crois que tu dois te réunir avec des frères qui sont là-bas et vous allez en discuter par rapport au sujet. Tu te souviens longtemps après, avant, dans un des enseignements, je t'avais demandé de te préparer pour la persécution. Oui, je me rappelle. Et là, c'est chaud, n'est-ce pas? Oui, très chaud. En plein dedans. Voilà. Donc, réunis-toi. Je crois que le frère Trabi, quand il va rentrer, réunissez-vous, vous parlez par rapport à cette situation parce qu'il y a une direction du Seigneur qui n'est pas commune. D'accord? Donc, quand tu vas te réunir avec eux, Dieu le mettra de la sagesse dans la bouche pour te conseiller et suis le conseil qu'ils te donneront. Ce sera la voix du Seigneur. D'accord? D'accord. Ça, c'est ton frère. Ça, ce sont tes frères qui vont parler ainsi. Voilà. Amen. Je crois que la sœur Mimi du côté de dit que le son. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Je crois que c'est le retour avec le micro. Bon, maintenant, je crois que vous êtes là maintenant. C'est bon maintenant. Je crois que le son doit être plus clair maintenant. Donc, je suis à votre service. Quand je vois la sœur Suzanne, je vois vraiment qu'elle a déjà préparé les questions, des questions, des questions, des questions. J'ai une petite question. Oui, c'est une petite question que tu as notée depuis 2 heures, n'est-ce pas? En fait, quand on va dans Ézéchiel, pardon, autant pour moi, Ézéchiel 13, à partir du verset 14. Oui. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher ma soeur, patiente, la terre. Patiente que les autres entrent en contact avec le passage biblique. Oui. Voilà, tu sais que tu es Darby, les autres sont lui second ainsi de suite. Tu vois, non? Non, c'est pas Darby. Bon, non. Je suis lui second aussi. Tu es lui second, hein? Ok. Oui. D'autres sont françaises, courons alors. Voilà. Donc, je crois que si les autres sont à la page, ils peuvent lire maintenant. Tu leur as dit Ézéchiel combien? Alors, Ézéchiel 13, à partir du verset, on peut même prendre jusqu'au le verset 13 et à 15. C'est bon? Je peux lire? Oui, oui, je crois que s'ils sont d'accord, tu peux lire. Ok. Oui, ma soeur, vas-y. Ok, alors c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elles s'écrouleront et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre, et je vous dirai plus de muraille. Et c'en est fait de ceux qui la replâtraient. Mmh. Voilà. En fait, ma question, c'est sur la muraille. Cette muraille qui est répétée à plusieurs reprises ici. On dit, j'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Oui.
La sœur Mimi Voilà, je de, suis la, la, amoureuse. la sœur Mimi du Sénégal sur la vidéo n'est pas allumée. Qui encore? Le frère, non, pour le frère Frédéric, alors n'en parlons plus. Il va nous dire qu'il n'a pas la caméra, qu'il a la caméra de 1913. La sœur Mimi du Sénégal, je lui ai dit bonsoir, mais d'abord, elle ne m'a pas répondu. Elle a dit qu'elle est occupée. Alors, la question, c'est par rapport à la muraille qui est répétée dans ce livre d'Ézéchiel au chapitre 13, n'est-ce pas? Donc, la sœur Mimi a des problèmes avec sa connexion. Alors, le problème, c'est uniquement sur la muraille, c'est ça? Qui est répété. Maintenant, Oui. alors, puisque vous avez le chapitre, le verset, les différents versets au-devant de vous, il s'agit ici pleinement du reproche fait au prophète Ézéchiel, à des prophètes. Parce que si vous lisez là-bas, depuis le verset 12, il va commencer par dire qu'il parle de prophètes, ces prophètes-là qui ont des visions, qui prophétisent selon leur cœur et qui disent des choses de leur pensée qui ne viennent pas de Dieu. Donc Dieu est en train de reprocher aux prophètes. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette période? Dans cette période, il se passe que Dieu est en train de prophétiser que normalement, que Dieu va détruire Jérusalem. Parce que Jérusalem était bâtie avec des murailles. C'était une ville où les murailles sont bâties. De telle façon qu'il y a une porte, des portes d'entrée où on contrôle les portes d'entrée. Et donc, la muraille était le symbole de la protection et de la sûreté. C'est vrai que quand vous construisez votre maison, quand vous y mettez la barrière, ça suppose que vous êtes sûr au moins que vous avez un mur de protection par rapport à votre intérieur. Lorsqu'il y a n'importe quoi, vous courez, vous entrez dans votre barrière, vous fermez la barrière, sachant que vous êtes protégé. Donc les murailles, si vous lisez aussi le livre, je ne sais pas s'il va vite là. C'est bon? Vous m'entendez bien, mes chers? Oui, mon Oui, frère. mon frère, Oui. Ok, je crois que je ferai mieux d'aller doucement. Alors, je t'en ai dit que les murailles symbolisent La protection. la protection. D'accord? Notez le livre de quoi? Des Zacharie. On va y aller maintenant. Zacharie. Donc, après, si c'est pas je t'en ai parlé, ça vient là-bas. Donc, les murailles symbolisent la protection. Et donc, cette protection-là, il dit bien sur le plan physique. Ce qui arrivait, c'est qu'à Jérusalem, il y avait la muraille de Jérusalem. Si vous lisez le livre de Néhémie, bon, notez aussi Néhémie, alors Néhémie et Esdras. Concernant cette question, ce n'est noté pas à la volée, d'accord? La sœur Christian Yankam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir frère, bonsoir. J'étais l'os de temps de saluer tes sœurs et tes frères. Bonsoir mes bien-aimés, Bonsoir, ma soeur. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va, par la grâce de Dieu aussi, ça va. Amen. Voilà. Après dans les convenances de bienvenue et des salutations, usage à usage normal et habituel, on peut passer aux choses sérieuses maintenant, n'est-ce pas? On peut y aller. Oui, mon frère. Alors, j'étais en train de dire donc que les murailles symbolisent la protection et la sûreté. Donc, quelqu'un qui est mis en sûreté. Et donc, j'ai cité le livre de Zacharie. On va y aller maintenant. Vous notez également le livre de Néhémie et le livre d'Esdras. Vous aurez le temps de lire là. Vous allez voir d'un côté le prophète Néhémie, enfin, le Néhémie qui va être écœuré du fait que les murailles de la ville de son père, de ses pères sont détruites alors que les murailles sont tombées. Quand il va aller à la suite des décrets et de l'édit du gouverneur Assyrus, il va visiter les murailles, il va passer par la porte de brûlure, la porte de poisson, ainsi de suite, dans ces différentes murailles, différentes facettes, là, il va voir comment les murs étaient tombés, ainsi de suite. Maintenant, ouvrons le livre de Zacharie au chapitre 2. Zacharie au chapitre 2, lit celle qui a dit qu'elle est Louis Zigon. Lis le verset 5 du chapitre 2 de Zacharie. Alors, Qui lit là? J'ai dit Zacharie il y a chapitre quelqu'un qui veut lire. 2, le verset 5. Je crois que la sœur Mimi de Vers... Dakar veut lire. Ok. J'ai pas dit Mince alors. Alors, je lis. Alors, Zacharie chapitre 2, verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel. Une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Voilà. Alors parlons donc de Oui. Jérusalem justement, vous allez voir effectivement que dans ce livre de Zacharie, il est question justement de rebâtir le temple qui avait été détruit et la protection de Jérusalem. Et Dieu ici promet donc au prophète Zacharie et à Zorobabel et à Agé et tous les autres contemporains qu'ils étaient pour les fortifier à bâtir la maison et puis partir. Et Dieu promet ici qu'il sera lui-même la muraille de feu tout autour.
Quand il parle de muraille de fer, c'est pour parler de la protection. Donc, la muraille est le symbole de la protection et de la sûreté. Et donc, Dieu, donc, en revenant donc, dans la question concernant la muraille qui est dit dans le livre des prophètes Zacharie, des prophètes Ézéchiel, dont tu as fait mention au chapitre 13, je suis en train de dire, donc, je suis en train d'aller sur deux volets. Le volet physique, c'est qu'à Jérusalem se trouve un temple. Enfin, Jérusalem, c'est la ville du grand roi, c'est la ville que le Seigneur a choisie. Et donc, tout autour de la ville sont construites des murs. Et ces murs-là, à ce moment, Dieu a dit de prophétiser que comme ils ne veulent pas aller se prosterner devant le temple de Dieu avec crainte et tremblement, c'est pour ça que vous allez voir depuis le chapitre 8, chapitre 11, il va transporter le prophète depuis le fleuve et de quel il va aller dans les murs, passer par les trous des murs et voir comment ils sont en train d'adorer des créatures, mais en plein jour, il parle de Dieu. Et donc Dieu a dit clairement, comme ils font ces gens de culte là-bas, Dieu va les frapper. Il va les frapper par l'épée, par les bêtes sauvages, par la famine, par la peste, ainsi de suite. Et donc Dieu a dit, votre protection, votre sûreté que vous avez, Dieu va les détruire. Et si quelqu'un veut construire une autre protection sur le plan humain, Dieu va les détruire. C'est ça qu'il en est de parler de plâtrer. Essayer de plâtrer, c'est essayer de mettre des plâtres pour pouvoir soutenir les zones qui sont tombées. C'est le style de protection que donnent les fausses visions, le style de protection que donnent les fausses espérances qui ne viennent pas du Seigneur. C'est de ça dont il en est de parler. Donc sur le plan physique, il y a le muraille de Jérusalem qui était cassé par la volonté de Dieu parce que le peuple était dans la désobéissance. Et par conséquent, les gens voulaient reconstruire par eux-mêmes les temples, les différents trous qu'il y a sur les murailles de Jérusalem pour empêcher donc les gens d'y entrer par ces trous-là. Et donc ils partent chaque fois pour plâtrer ces différents trous qu'il y a sur les murailles. Dieu dit que même si vous faites ce genre de plâtre là, je vais toujours vous amener en captivité et je vais les détruire. Et le plâtre que vous avez mis ne servira à rien. C'est-à-dire, en clair, vous serez toujours vulnérable parce que la protection ne vous protégera pas ce à quoi vous vous confiez. Et sur le plan spirituel, donc maintenant, Dieu en a dit que toutes les visions qu'ils donnent qui viennent de leur cœur ne pourront pas les protéger parce qu'il n'y a pas le ainsi dit le Seigneur derrière et Dieu n'est pas avec eux. Fin des réponses à la question de Muraille. Bonne soirée. Amen. Merci, mon frère. Merci. Voilà. Suivante, le frère Trabi. Réponse à la petite question de notre sœur Suzanne. Merci, ma sœur Suzanne. Frère Trabi. Frère Junior, j'ai une question. Oui, mon frère. La question se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 45 à 46. Oui. J'espère que les autres ont, j'espère que les gens ont déjà ouvert. La sœur Mimi n'a toujours pas mis sa caméra. Et la sœur Christiane aussi. Je crois que dans ce Matthieu chapitre 27, verset 46 à 46, il est question de le Seigneur jusqu'à ce qu'il va crier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Mon Dieu, pourquoi tu parles? Et quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appelle Élie. Oui, quelle est la question, mon frère? Oui, ma question se situe dans le verset 45, en fait. Bon. Parce que c'est écrit ici, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e heure, il y a toute la terre. Oui. En fait, c'est des ténèbres là. Oui. Je voulais savoir de quelles ténèbres il s'agissait. Il s'agit des éclipses. On a vu l'obscurité. Oui. On a vu l'obscurité. C'est comme si, comme on pourrait dire l'éclipse aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le même langage. C'est justement l'éclipse dont il est question ici. La terre s'est obscurcie parce qu'ils avaient tué le Seigneur des gloires. D'accord, mon cher frère? On passait ainsi. Pourquoi ce phénomène s'est produit? Voilà. Bonne question. Tu me demandes pourquoi ce phénomène s'est produit. Allons-y dans le livre de Genèse au chapitre 15 pour voir cela. La sœur Susan aime les choses comme ça. Elle a envie de bouger la tête là-bas. La sœur Christiane, on ne la voit pas de toute façon. Alors, qui va nous lire cela? Partie du verset 1. Je lis. Ils ont décidé que c'est toi qui la lisais de l'orgue aujourd'hui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu?
je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà. Toi, tu... Amen. Oui. Maintenant, si vous avez remarqué, relis le verset 12 de Genèse chapitre 15. Qu'est-ce que ça dit? Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Amen. Alors, l'obscurité. Oui. Mon frère Trabi, toi qui as posé la question, c'est quel style d'obscurité qui est venu assaillir le prophète Abraham? Et pourquoi cette obscurité? Parce qu'on a dit ici, on a dit au coucher du soleil. Il est au coucher du soleil. La période, c'est le coucher du soleil. Et on dit, il est dans un profond sommeil. Puis, quand il est dans le profond sommeil, on dit, l'obscurité profonde est venue l'assailler. C'est de quoi on parle? Et pourquoi? On parle de quoi est-ce qu'on parle de l'obscurité, cette obscurité profonde qui l'assaille? Et puis, pourquoi il vient l'assailler? Je ne vois pas, hein, frère. Le flou encore dans ma tête, je ne vois pas. Le flou, quoi, c'est parce que la connexion n'est pas bonne, de quoi? J'entends, mais je n'ai pas la lumière là-dessus, en fait. Ok. Mais je crois que peut-être la sœur Myriam peut avoir une réponse. La sœur Myriam, tu as une réponse? Je buvais l'eau. Ah, ouais, et boire l'eau, c'est parce qu'il y avait l'obscurité, ça chauffait beaucoup. La sœur Christiane. La sœur Christiane, ça va? Elle a dit seulement que je passe, parce qu'il y a des enfants qui bavardent là-bas. Si elle ouvre le micro, c'est fort. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le frère Frédéric, d'intervention. Bon, le frère Frédéric aussi, peut-être, entre-temps, il a dormi. Béjis dans la sainteté, bonsoir. Alors, ben, de toute façon, de façon sommaire, regardez très attentivement. Vous remarquez que ici, Abraham a l'air de s'inquiéter au sujet d'une postérité. Sur le plan physique encore, là, on voit effectivement qu'il est en train de vouloir dire que je n'ai pas de successeur. Mais Dieu lui parle spirituel. Donc, il n'est pas en train de parler d'Isaac. Il est en train de parler de Christ Jésus. Donc, il est en train de parler de ta postérité. Maintenant, si vous lisez le livre des Galates au chapitre 3, ouvrez rapidement. Je crois que c'est mieux qu'on lise cela. Parce qu'il veut citer quelques passages maintenant. Galates chapitre 3, on va vite. Parce que c'est de ça que l'on tire les questions. Si vous comprenez, c'est qu'on en a dit dans Galates et dans le livre dans le livre de Genèse, vous allez comprendre ce qu'on en a dit dans ce livre de Matthieu-là. Rapidement, on prend un sujet ce soir. Peut-être on pourra faire assez de temps là.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alors, si vous lisez le livre des. Si vous y êtes déjà, vous pouvez commencer à citer. Vous y êtes. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Il veut citer trois passages dans ce livre de Galates. Et par la suite, vous pouvez aller au chapitre 4. Et il veut également citer. Parce que si je vous demande de lire, là, vous allez commencer à me tordre l'esprit. Maintenant, si vous vérifiez le verset 16 particulièrement, le verset 16, il est dit là-bas, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Vous voyez? Vous avez moi? « Or, les promesses ont été faites enfin, dans la version 8 secondes. » Or, regardez bien. Souvenez-vous de ce que la conversation entre Dieu et Abraham. Je vais y revenir maintenant. Abraham s'inquiète du fait que je m'envoie par le chemin. Il y a un enfant qui en est détoussé quelque part là. Cette personne qui a l'enfant devait fermer le micro. Alors, la Bible déclare dans ce Genèse chapitre 15 que Abraham a un sujet d'inquiétude sur son cœur. Et il dit à Dieu que je m'en vais par le chemin de tout homme et voici c'est Élisée de Damas qui sera mon successeur. Dieu entre en action pour lui parler de quelque chose. Maintenant, notons le livre de 1 Samuel et de 2 Samuel. J'arrive là maintenant rapidement. Notez pas seulement 2 Samuel au chapitre 7. J'y arrive. Merci Père. Voilà. Ok. Vous avez noté 2 Samuel chapitre 7. On arrive là maintenant. Dès qu'on finit, si on va aller beaucoup, vous comprenez ce style de langage de la part du Seigneur. Maintenant, je dis, Abraham a une inquiétude sur le cœur. Il se dit que, qui sera mon successeur? Mais sur le plan physique, vous entendez la conversation. Vous vous dites qu'en réalité, le fait que cet homme, s'il n'a pas d'enfant, il a de demander qui va le remplacer dans la maison. Mais ce n'est pas ça dont c'est la question. En réalité, sur le plan physique, c'est une, d'une part ça, mais de l'autre côté, en réalité, ils sont dépassés pour parler spirituel. Maintenant, le verset 16 nous dit quelque chose du chapitre 3 de Galates. Le verset 16 nous dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » L'apôtre Paul insiste ici sur le mot « postérité » qui est au singulier. Regardez bien, il dit, « Il n'est pas dit et aux postérités. » Vous voyez, comme s'il s'agissait de plusieurs. Donc, il a signifié que Dieu a parlé à sa postérité au singulier. Puis il dit, puisqu'il dit que il n'est pas dit aux postérités, oh là c'est AUX, postérité au plus quoi, au pluriel. Il dit que comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule. Et il répète encore la parole de Dieu et à ta postérité. Puis il dit, c'est-à-dire Christ. Donc la conversation entre Abraham et Dieu, il parlait de Christ Jésus. Vous voyez? Maintenant, vous remarquez très attentivement que là, aucun être humain n'est né parmi le peuple juif. Quand Dieu finit de parler de ta postérité, et après il donne un renseignement que sache que ta descendance sera esclave dans un pays. Vous voyez, il vient sur le plan physique pour parler de la descendance. En fait, même la captivité physique des Juifs montre clairement que la postérité de Christ devait entrer dans les ténèbres, afin, dans l'esclavage des ténèbres. Et puis Christ va venir les délivrer vers la postérité dont il est en train de parler. Verset 19 encore dit quelque chose. Le verset 19 du chapitre 3 de Galates. Si vous ouvrez le verset 19, je crois que puisque vous êtes dans le livre de Galates chapitre 3, je parle en vous regardant chacun sur son écran. Le verset, je regarde, il y a celle-là qui... voilà. Le verset 13 dit, pourquoi donc la loi? Il pose la question, pourquoi donc la loi? Puis il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on dit que la loi a été donnée jusqu'à ce que vint la postérité. Vous voyez ça? Jusqu'à ce que vint la postérité. Donc, quand Dieu parle de postérité, lui, on est de voir Christ. C'est pour ça que quand toute personne qui entre dans l'hérité avec Dieu, Dieu les voit au travers de Christ. Si ce n'est pas au travers de Christ, tout ce que tu fais, c'est l'ordre de 1. Voyez cela? Tout ce que tu fais, c'est l'ordre de 1. C'est au travers de Christ. Ça veut dire que tous ceux qui étaient venus avant n'étaient pas de la postérité. On parle de la postérité avant Christ. Non, c'est postérité après Christ. Parce qu'il parle de Christ. Christ est le type même de la représentation de la postérité. C'est lui. Et dans la postérité dont il parlait de Christ, l'apôtre Paul nous dit que les promesses ont été faites. Ouais, il pose la question, pourquoi dans la loi, dans ce verset 19? Pourquoi dans la loi? Il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Parce que les gens vivaient dans la transgression pour que la loi subsiste jusqu'à ce que la postérité vienne. Alors la Bible déclare que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est par là que la postérité commence. Le verset 29 donc, nous dit quelque chose. Le verset 29 conclut. Le verset 29, chapitre 3 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité. On ne peut pas dire, il n'est pas dit que vous faites partie de la postérité. Regardez bien le mot. Il n'a pas dit que vous faites partie de la postérité. Il dit que vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, qu'est-ce que l'Abraham a de dire? Ha! Je peux crier ici à Douala. Je peux crier maintenant. Connaissez-vous qui est? Ha! Ah, Seigneur Jésus. Ha!
Je vous pose la question. Ça vous arrive de lire la Bible et crier fort vraiment en disant Seigneur, merci pour cette grâce insondable, miséricorde. Oh. Il dit, si vous êtes à Christ, oh, miséricorde de miséricorde, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité. Il ne dit pas, vous faites partie de la postérité. Vous êtes. Donc, ça veut dire, quand Abraham conversait avec Dieu, Dieu disait effectivement qu'il faut qu'un temps de ténèbres vienne sur la terre avant qu'il vienne sauver le frère Junior. Ou avant qu'il se manifeste. Ah. Alors maintenant, regardez bien, il faut que le temps des ténèbres règne d'abord avant que la postérité soit révélée. Vous entendez cela? Maintenant, il présente donc cela en type. Donc, ce qui devait être révélé à la postérité sous la grâce était présenté en type, donc sous la gloire. Et sous la loi, donc, la descendance physique qui étaient des types de cette postérité-là sont présentés et devraient vivre la captivité justement des 400 ans dont il parlait. Et donc, dans ce chapitre 15, donc, il dit que sache que ta descendance, regardez bien, il dit que ta postérité, il dit que c'est un fils qui sortira de toi, ta postérité. Là-bas, en bas, il dit la descendance. Oh mon Dieu. Mais de toute façon, alors la postérité devrait s'hériter, regardez bien. Oh mon Dieu. Bon, maintenant, regardez, vous savez, Genèse chapitre 1. En gros, nous sommes la postérité, quoi. Pardon, ma soeur. En gros, nous sommes, faisons partie de la postérité. En tout cas, moi, je suis la postérité. Je suis la postérité dont Dieu parlait. Aussi. C'est ce que j'ai lu, j'ai vu. C'est ce que, en lisant la Bible, je vois. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, tous sont un. C'est une seule personne qui voit. Tous. Le groupe là, c'est un. Un seul corps. Vous voyez ça? N'est-ce pas merveilleux? Oui. Merveilleux, n'est-ce pas, mes soeurs? Merveilleux. Amen, mon frère. Amen. Il y a de quoi laisser tout maintenant chanter pour la gloire du Seigneur. Danser, danser pour lui. Au oui. Point où les gens vont dire que vous êtes oui. Dingue, vous êtes fou, vous êtes déréglé. Déréglé. Déréglé, c'est le mot. Fou, fanatique, c'est encore cela. Je vous le dis. Ha. Vous voyez, c'est terrible. Alors maintenant, permettez-moi de continuer. Donc maintenant, si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 1, pour revenir sur cette histoire d'obscurité, le frère Trabi, il est là. Est-ce que le frère Trabi qui a posé la question là, avant que je n'avance rapidement? Bon, je crois qu'il a été déconnecté. Vous dites? Oui, il a été déconnecté, mon frère. Bon, voilà, que maintenant, de toute façon, on pause. Alors, l'obscurité, je crois que c'est mieux que je parle d'autre chose. Alors, dans le livre des 2 Samuel, chapitre 7, je crois que je l'ai parlé tout à l'heure. J'ai cité ce passage pendant que tu en as parlé. Et puis, c'est venu là. Qui peut ouvrir 2 Samuel, chapitre 7? Quelque chose s'y trouve. 2 Samuel, 2 Samuel. Vous y êtes? Parler de Bible. Vous y êtes. Est-ce qu'on peut. Je crois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de connexion là et qui sont sortis. Je n'aimerais pas parler ceci et que quelqu'un perde ceci. Ils sont où tous ceux-là? Ça va, nous sommes là. C'est le frère Tabi qui a parlé là? Oui. Ok. Frère Tabi, tu es rentré, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, bien, bonne arrivée. Ouvrons, j'ai dit quel livre déjà? 2 Samuel, chapitre 7. Vous me voyez, non? De Samuel, mon frère. Oui. Chapitre 7. Chapitre 7. Je veux que tout le monde se positionne avant qu'il dise ce qui est écrit. Et puis on va rapidement au verset là pour que vous compreniez ce que j'ai tenté de dire. La sœur amie est là? Oui, mon frère. Voilà, je crois que tout le monde est là. La sœur Christiane, vous entendez, n'est-ce pas? C'est toujours une délice de travailler avec vous. Amen. C'est toujours une délice de constater également que vous êtes en retard. Bon, dans le livre de 2 Samuel, souvenez-vous de ceci. Dans le 2 Samuel, c'est la fin de la vie du prophète David, du roi David. Le roi David a à cœur de bâtir un temple. Écoutez bien ceci, écoutez très attentivement. Le roi David a à cœur de bâtir un temple pour Dieu. Oh, parlez de Bible alors maintenant.
il a à cœur de bâtir un temple pour Dieu. Dieu donc lui dit, après l'intercation avec Samuel, le prophète Nathan, Dieu donc envoie Nathan lui dit qu'il ne pourra pas bâtir une maison en son nom parce qu'il a versé du sang. Oui, parce que la maison dont Dieu est en train de parler, c'est une maison sans tache ni ride. Et par conséquent, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas coupable qu'il bâtisse là. Vous voyez, quelqu'un choisi par lui pour bâtir une maison. Dieu donc va faire une promesse. Allons-y à partir du verset 7. Lisons du verset 7 jusqu'au verset 14. Ça sera intéressant. L'épicentre ou bien le sommet, c'est au verset 14. D'accord? Vous avez moi? Amen, frère, on est à toi. Alors maintenant, qui va donc lire verset 7 jusqu'au verset 14? Je ne peux pas lire parce que l'enfant dérange. Exact. Il y a des gens qui t'ont abandonné la lecture. C'est 2 Samuel 7. Hein. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Attendez. Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Stop. Ce sera lui. Stop. Donc, vous voyez encore ce même problème-là ici. Il est en train de s'adresser à David. Et il dit que c'est celui qui sortira de tes entrailles. Tu vois? Vous voyez, effectivement, il parle de sa postérité. Maintenant, physiquement, lorsqu'on voit, en premier lieu, vous pensez qu'on a parlé de Salomon. Vous voyez? Mais oui, si vous comprenez le langage de Dieu, si vous savez que ce n'est pas de lui dont on est de parler. Vous voyez? Maintenant, suivez très attentivement. Il dit que, mais quand tu auras accompli tes jours, Dieu dit par là, allez au niveau, là où vous avez écrit crier, là, entouré crier. J'ai entendu, vous avez parlé de crier, maison stable, oubliez ça. Écrivez au-dessus des mots crier, là, écrivez fondé. D'accord? Donc, corrigez ça. Écrivez au-dessus, là où vous avez, je lui créerai maison stable, là. Vous y êtes, vous l'avez fait? On y va. La fin du verset 11. On lit à la page de prière. Il est écrit là-bas dans cette fin du verset et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Une maison. C'est pas créer. Mettez fondé ou bien bâtira, d'accord? Il te fondera ou bien bâtira une maison simple. Mais c'est fondé, fondera. D'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si vous avez fini, je peux avancer. Gardez-vous à l'esprit de ce que pourquoi je vous ai amené ici. Je tente de parler de la postérité, la conversation entre Abraham et Dieu. Et Dieu lui parlait d'une autre chose qui est spirituelle dans notre dimension, parlant de Christ, c'est-à-dire de nous. Et ici encore, même chose se trouve. Le Seigneur est en train de parler de l'Église, de ce que le Seigneur va faire. Et Jésus va répéter cette chose aussi. La première mention de l'Église dans Matthieu chapitre 16, c'est ici, c'est à cela que Jésus fait référence. Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, où le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon Église, c'est de ça dont il est en train de parler.
Quand il dit, je bâtirai mon église et les portes de ce monde. C'est de ça donc que Dieu parlait à Salomon, quoi, à David ici. Alors Dieu dit, en donnant la promesse à David, que c'est celui qui sortira de toi, ta postérité, qui me bâtira une maison stable. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Vous voyez, il dit que c'est celui-là. Maintenant, suivant, vous allez voir effectivement qu'il parle de Christ. Continuons la lecture maintenant, ma soeur. Prends encore le verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Stop. Je sais. Vous voyez qu'il y a un problème ici. Il dit, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et vous voyez effectivement, justement, qu'après la mort de Salomon, directement sous Roboam, le royaume s'est divisé en deux. Donc ça ne peut pas être lui ici. Donc, on en a parlé de Christ Jésus ici. Parce que c'est lui seul qui a un trône éternel. Vous voyez? Amen. Puis il dit, je serai, le verset, bonsoir la soeur. Je me posais la question, où est-ce que celle-ci est partie? La soeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Ben voilà. Bonsoir. Le verset 14, donc sur le verset 14, gardez-vous à l'esprit ceci. Dans ce que vous pouvez garder, enfin j'ai pris depuis le verset 7 pour que vous voyez la chose venir. Le verset 14, c'est le verset 14 là où je suis en allé. Regardez bien, il dit, le verset 14, je serai pour lui un père et il sera pour moi quoi? Un fils. Un fils. Vous voyez de quoi il est question, n'est-ce pas? Il sera pour moi un fils. Maintenant, après, il vient maintenant. Il dit, s'il fait du mal, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il fait du mal. Comment? Il fait le mal. Là, c'est lié à deux personnes. C'est deux personnes. Non, frère Trabé, si j'avais été devant toi, je devais te saluer et te donner un peu de jus de fruits pour que tu boives. Là, tu as bien saisi. C'est donc pour cela que vous devez faire attention avec les Saintes Écritures. Vous voyez? Je vous en avais déjà plusieurs fois parlé de ce genre de choses. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir comme c'est comme ça. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui disent, pour comprendre un corps, il faut comprendre le contexte, il faut lire tout le passage. Vous pouvez lire tout le passage. Mon père a dissimulé ces choses les contrepoids et les bosses là à l'intérieur. Parce que Christ ne peut pas faire du mal. Vous voyez cela? Or, maintenant, au milieu de la phrase, le Seigneur ne le parlait. Dans le premier volet, il parle de Christ. Deuxième volet, il ne parle de Salomon. Vous voyez ça? Amen. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait du mal, et ce n'est pas seulement lui-même sa postérité, dans l'une des prophètes, dans l'une des prophètes Esaïe, il va parler même de sa postérité, de la descendance de Christ. C'est-à-dire que si les chrétiens fassent, donc si je dis ça, vous allez me dire qu'ils sont des poussés chrétiens à pécher. Donc c'est mieux de garder mon prophète. Le prophète a dit, ça reste là-dedans dans la Bible. Alors ici, il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ça, c'est Christ Jésus. Il dit, s'il fait du mal, il dont il est question ici n'est pas du même il dont il est parti, dont on parle dans le premier volet. S'il fait du mal, regardez bien la promesse qu'il donne. C'est pour ça que quand vous voyez la vie de Salomon et ce qu'il a fait, pourquoi Dieu n'a pas retiré sa bonté? Parce qu'il a donné la promesse. Il dit, s'il fait du mal, qu'est-ce qu'il fait? La soeur Christiane a oublié la lecture. Regardez, elle a en train de méditer. S'il fait du mal, qu'est-ce qu'il fait la suite, ma soeur? Pardon, s'il fait le mal, s'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les enfants des hommes. Oui. Mais qu'est-ce qu'il promet? Mais ma grâce ne se retirera point de lui quand je vais retirer de Saül. Amen. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc vous voyez effectivement qu'il a amené la comparaison à Saül par rapport au règne de Salomon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pour cela donc qu'il pouvait faire. C'est pour ça que vous voyez dans les enseignements, il dit, ok, est-ce que vous pouvez aller prendre les femmes aussi, essayer comme Salomon l'a fait? Essayez à les faire, vous allez voir. Essayez. Essayez d'aller faire comme Salomon, vous allez confirmer le code. Vous allez savoir que c'est le code pur là-bas. Alors, donc, vous voyez que nous avons des problèmes sur la terre qu'on ne comprend pas le langage de Dieu. Dans cette phrase-ci, on parle d'une part du Seigneur Jésus, d'autre part du règne de Salomon, qui est un type de Jésus sur le plan du règne. Maintenant, sur le plan humain, donc, Salomon donc, a une promesse. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir dans le site de son royaume, quand il va bien faire ces choses-là, Dieu va dire, quand il va donner la promesse, si vous lisez, vous prenez votre livre, dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, vous allez voir quand le prophète Akija va rencontrer le Jéroboam 1 dans les champs là-bas, quand il va lui donner la promesse, il va dire clairement que ce n'est pas du temps du règne de Salomon à cause de David, son père. Donc, à cause de la promesse que Dieu lui a faite, c'est à cause de cela qu'il ne doit pas retirer le royaume du vivant de Salomon. Mais il a dit, c'est à cause de son fils. C'est dans le temps de son fils qu'il va le faire. Parce qu'il n'y a pas une promesse sur le fils de Salomon. Alors Dieu pouvait exercer le jugement sur le fils de Salomon. Voilà quelqu'un qui va hériter le royaume avec la malédiction. Roboam. Vous voyez?
Alors, je t'en ai donc de dire, quand vous voyez cette phrase, si dans cette phrase, verset 14, une partie concerne Jésus, une partie concerne Salomon. Maintenant, la même chose, vous voyez, quand Pilate sera, quand Pilate aura à interroger le Seigneur Jésus, il va lui poser la question, es-tu roi? Il va dire, non, mon homme n'est pas de ce monde. Si mon serviteur... Il y a beaucoup de bruit là. Chez la soeur, je ne sais pas si la soeur a fait la course, c'est la soeur Myriam. Elle a fait la course, vous voyez. Non. Elle est constamment en train de bouger. Oh, oh, sorry. Sorry too. Yeah, yeah. It's good. Ok, maintenant, si vous lisez dans les évangiles, vous allez voir l'interrogation et la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec comment s'appelle Pilate. Le Seigneur va lui dire que. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Puis il dit dans cette même phrase, c'est la même phrase, c'est nous qui disons que c'est la même phrase. Ils sont en train de converser, face à face. Il dit à Pilate, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis sur la droite, à la droite de Dieu et venant sur une nuée, sur des nuées avec une puissance. Je vous pose la question. Pilate a-t-il vu Jésus assis à la droite de Dieu? Non. A-t-il vu Jésus en train de venir dans les nuées avec puissance? Non. Vous pensez que quand Jésus lui parle, Jésus est conscient qu'il est en train de s'adresser à Pilate ou il s'adresse à qui? Quand Pilate lui, il entend, il est en train de comprendre ce qu'il est en train de dire? Non. Quand vous prenez le livre des prophètes, oh, j'aime le livre des prophètes. Bon, permettez-moi, je vais cesser de laver le livre des prophètes, je suis obligé de parler ainsi. Regardez, quand on lisait le livre du prophète Esaïe, au chapitre 14, enfin, chapitre 7 encore du prophète Esaïe, vous allez voir le prophète, quoi, le roi Akazia qui est en guerre. Vous voyez? Vous allez voir le prophète Akazia, non, le prophète Esaïe qui vient rencontrer le prophète Akazia. Oh mon Dieu. Vous allez voir le prophète Esaïe qui va rencontrer le roi Akazia et lui demande de demander pour lui un signe. Que ce soit en haut, que ce soit sur la terre, quel que soit le signe qu'il demande, ça Dieu va lui donner. Donc si ce monsieur a demandé que Dieu fasse que la terre devienne plate avant de revenir normale, ou bien que ça soit transparent, Dieu ferait cela là-bas pour lui. Le roi Akazia a dit qu'il ne tentera pas le Seigneur. Et puis il lui a dit que voici le signe que Dieu donne quand même. Maison de David, maison d'Israël, la Vierge enfantera. Ça c'est le signe qu'il donne à Akazia pour montrer effectivement. Ça c'est la soeur Myriam toujours. Son micro qui est ouvert, c'est ça qui fait cela. Alors, le prophète Esaïe dit au roi Akazia que la vierge enfantera, la jeune fille, dans une autre version, ou bien la vierge enfantera, ou bien la fiancée enfantera. On lui donnera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et vous savez qu'on a parlé du Messie là, n'est-ce pas? Amen. Alors, quand le prophète dit au roi Akazia que voici le signe, ça c'est le signe pour montrer que Dieu va chasser le roi qui est en train de le déranger Akazia. Il lui donne un signe qui va s'accomplir 800 ans plus tard. Est-ce que le roi Akazia qui est à côté là en train de comprendre ce que le prophète en train de dire? Non. Ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans Matthieu chapitre 27, le verset 25, la Bible déclare que de la 6e jusqu'à la 9e, une grande obscurité est tombée sur toute la terre. Sur toute la terre. Jésus avait dit, quand ils sont venus l'arrêter, que c'est l'heure de la puissance des ténèbres, le règne des ténèbres. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Seigneur, tu sais mes craintes,
sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Ça s'est arrangé le... Le vent qui soufflait là-bas, ça s'est arrangé, n'est-ce pas? Vous m'entendez maintenant? Oui, mon frère. Voilà. Je crois que quelqu'un avait un vent, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, ou bien c'est le vent de la chambre haute de Actes chapitre 2 qui soufflait là-bas. On n'a rien entendu. Donc en résumé, je tente de parler par rapport à cette obscurité-là. Sachez que je tente de citer les Saintes Écritures. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, la Bible déclare depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a une grande obscurité sur la terre. L'éclipse, est-ce que le frère Trabi est encore là? Oui, je suis là, frère. Voilà. Donc ces round-up, c'est tout de la des Saintes Écritures que nous avons fait. C'était tout simplement pour montrer qu'il faut faire attention. Vous allez voir effectivement. Et là, ça me pousse à vous poser une question pour que vous réfléchissiez là-dessus. Quelle est la différence entre les ténèbres et l'obscurité? Ouvrez le livre. Les ténèbres, en fait, les ténèbres sont une puissance maléfique, mais l'obscurité est seulement le noir. Ok, allons-y dans le livre de Jude alors. Comme ça, quand tu vas finir de lire ça, tu vas encore me dire ça. Voir. Vous êtes dans le livre de... J'ai pas dit juge, j'ai dit Jude, dans le livre qui est avant Apocalypse. À partir du verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au verset 6, mon cher. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien
toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, puis ensuite périt les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Voilà. Mais ils ont abandonné leur propre demeure. Et on dit que ceux-ci ont été punis comment? Ils ont été enchaînés éternellement par des ténèbres. Voilà, tout à l'heure, tu as dit que quelle est la différence entre les ténèbres et l'obscurité déjà? J'ai dit que l'obscurité, c'est le noir, et les ténèbres, c'est une puissance maléfique. Donc, c'est quelle puissance maléfique qui a arrêté les démons alors? Deux Pierre chapitre 2, le verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Parlant de ces mêmes gens dont le livre du prophète Jude a rendu de parler. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est-à-dire quoi? Tu avais dit que quelle est la différence entre les ténèbres et la lumière et l'obscurité, frère? Il y a les ténèbres, mais c'est différent. Je commence à voir que c'est différent. Ok. Donc, il faut faire attention avec le langage biblique. La sœur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Tu as certainement des questions, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Balance d'abord la plus petite. Ah, déjà? Est-ce qu'on peut aller dans Hébreux 13? Voilà, j'aime ça. J'aime ce langage. Est-ce qu'on peut aller dans Hébreux 13? Waouh, c'est spirituel ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hébreux 13, verset 3. Alors, dans ces Hébreux, chapitre 13, verset 3, on parle particulièrement de ces souvenirs des prisonniers. Comme si vous étiez vous-même, quoi, aussi, quoi, prisonniers. Aussi prisonniers. Ouais. Et de ceux qui sont maltraités, comme vous aussi étant dans un corps. On ne dit pas que, comme vous aussi étant aussi maltraités, mais on dit comme étant aussi dans un corps. Quelle est la question, la petite question de notre sœur, le frère Trabi est disponible? Alors, j'ai un problème avec prisonnier et dans être dans un corps là. Oui. Mais prisonnier, en fait, c'est dans quel sens prisonnier? Parce qu'on dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonnier. Avant de saisir ta question, relis le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. On parle de quoi? De ne pas oublier l'hospitalité. D'hospitalité. Tu penses que les chrétiens comprennent ça aujourd'hui? Mais vous avez commencé à comprendre, pas vrai? Amen. Maintenant, ouvrez, avant de vous laisser pour la question de Hébreux chapitre 13, verset 3, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que ceci a très à voir avec cela, d'accord? La dernière fois, dans la partie 21 de Belgique dans la sainteté, nous avons vu comment rencontrer le Seigneur dans la première partie, n'est-ce pas? Je crois que cet enseignement-là, il faut qu'on continue, Dieu voulant. Et puis,
on a senti, ça sera au moins quatre enseignements, donc, parce qu'on n'a pas encore terminé, on n'a même pas encore abordé, on n'a pas encore effleuré. J'ai dit quel livre déjà? 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà, merci Père. Verset 22, le verset 22 seulement, qu'est-ce que ça dit? Verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Voilà. Donc finalement, en Christ, il y a les libres et il y a l'esclave, n'est-ce pas? Amen. Comment, il y a une soeur qui dérange là-bas qui dit que c'est pas ça. Veuillez expliquer à notre soeur. C'est quelle soeur qui ne comprend pas encore? Voilà. C'est bien dit, ça, frère. C'est moi. Soeur, tu es où? Soeur, tu es c'est où? Moi, c'est mon qui? Frère. C'est la soeur Suzanne. Je pose une question, ma soeur. Si le frère me permet. Mais pose, mon frère, nous sommes en conversation. Ok. Quelqu'un qui travaille pour quelqu'un, qui il est pour la personne? Quelqu'un qui travaille pour un autre? Oui, oui. Il représente qui pour la personne? Son serviteur. Donc, dans un autre nom, comment esclave. On peut l'appeler? Esclave. Est-ce qu'il peut être, le Seigneur peut le visiter aussi? Absolument. Donc, si le Seigneur le visite, il est pour le Seigneur, n'est-ce pas? Absolument. Donc, c'est qu'on comprend maintenant dans le verset là. Entendu. D'accord. Merci. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. N'a pas encore trouvé. Vous n'avez pas encore trouvé 2 Timothée chapitre 1 verset 8. Qu'est-ce que ça dit? C'est 2 Timothée, hein, mon frère. Affirmatif. Ok. Chapitre 8. Non. Il n'y a pas de chapitre 8 dans le livre de Timothée. Verset 8, pardon. Voilà, de chapitre 1. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Le prisonnier de qui? Mais souffre du Seigneur. Donc, mais souffre avec moi. Alors, c'est pour rapport à la sœur Reine qui en a de répondre là. On va aller d'abord sur un autre plan. L'apôtre Paul se présente ici comme étant qui? Serviteur du Seigneur. C'est sûr. Prisonnier. Ce qui est curieux, c'est que c'est elle qui a lu cela. N'aide donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Absolument. Voilà. Il n'a pas dit son serviteur, mais son prisonnier. D'accord? Son prisonnier. Maintenant, ouvrez toujours. Mais souffre. Oui. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Bon, de toute façon, on voulait voir le prisonnier. Le pourquoi, comment il a laissé présenter là-bas. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. Maintenant, ouvrez le livre de Philémon, verset 1, puis le verset 9. Allons-y, Paul. Paul, prisonnier de Jésus-Christ et frère, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon de... Voilà. Il se présente comme quoi?
prisonnier. Voilà. Maintenant, écoutez, de Jésus. Écoutez ce qu'il va dire au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière en tant que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Alors, après les quatre reprises, donc, l'apôtre Paul se présente comme étant un prisonnier. Il n'est pas prisonnier des hommes, mais prisonnier de Jésus-Christ. La sœur Reine qui a posé la question, est-ce qu'elle est là? Elle nous écoute? Oui, je suis là. Comment est-ce que l'apôtre Paul était prisonnier de Jésus-Christ? Dans les versets que nous sommes là, quand il dit prisonnier de Jésus-Christ, il est en train de dire quoi? Avant de revenir sur ton verset du prisonnier proprement dit, des Hébreux chapitre 13, verset 3. Moi, je dirais, il dit prisonnier dans le sens où. J'arrive pas à trouver les mots pour expliquer en fait. Bon, dans le sens où on est libre. Prisonnier. En fait, il dit prisonnier parce qu'il n'a pas de choix. Il est condamné à faire quelque chose. Or, l'employé peut démissionner. Mais physiquement, il était en prison dans tous les endroits où il en est décrit. Là, il est en prison justement. Parce qu'il écrit avec les chaînes entre les mains. Ce que je ne voulais pas utiliser en fait comme terme, c'est être obligé en fait. Parce que si on dit être obligé, c'est comme s'il fait quelque chose qu'il ne voulait pas, en fait. Mmh. C'est ça, c'est justement pour ça que je fais quelque chose qu'il ne veut pas. Mmh. Mais pourtant, si on voit, il aimait le fait d'être prisonnier en Christ. Oui. Je ne sais pas, c'est un peu... C'est ce terme-là que je ne voulais pas utiliser. Ok. Bon, la prison, c'est un lieu, on appelle l'idée d'incarcération pour correction par suite de quelque chose qui est hors la loi. Dans la prison... Ouais. On intègre les gens dans ces enceintes-là pour des restrictions de liberté. Les prisons dont on peut varier, la pénitence peut être, c'est pour ça qu'on parle de pénitencier, pour que la personne puisse épurer la peine qui lui est infligée. À d'autres personnes, on les met en résidence surveillée. D'autres, on parle de limitation de territoire, de sortie, qui ne doit pas sortir dans un espace bien déterminé, pour une période bien déterminée. D'autres, on interdit le voyage des sorties sur le territoire. D'autres, c'est la privation de liberté dans un milieu carcéral, ainsi de suite. Ça selon les différentes orientations, différentes peines assorties dans cette privation de liberté là, selon les degrés même des peines, s'il s'agit des crimes ou bien des délits, ainsi de suite. Alors maintenant, pour le cas de l'apôtre Paul ici, il était en prison physiquement, d'accord? Comme vous pouvez prendre également dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, 12. Vous allez voir effectivement, la Bible déclare que le roi Hérode fit mettre par l'épée Jacques, et voyant que cela avait plu aux Juifs, fit arrêter également l'apôtre Pierre et pensait de le faire comparer devant le Sanhédrin après que la fête des Pâques, c'est durant la fête des Pâques sans levain. Et la Bible continue en disant qu'il s'attendait à ce que quand la fête des Pâques sera passée, il va le faire passer en jugement. Et l'apôtre Pierre donc était gardé dans la prison de la prison de la prison de la prison. Il était couché là-bas enchaîné. Pas vrai? Et l'ange est venu le secouer des sorties. Ils étaient constamment donc en prison. Mais l'apôtre Paul dit ici que cette prison, si c'est le Seigneur qui l'a fait entrer là-dedans. Donc il était effectivement entre les Romains, entre les chaînes des Romains, Néron et tous les autres rois, ces gens-là qui ont persécuté l'Église. Donc physiquement, il était dans une privation avec des chaînes entre les mains. Vous voyez cela? Mais là, ici, l'apôtre Paul n'attribue pas l'emprisonnement aux juges humains, ni aux magistrats qui l'ont condamné, parce que de toute façon, regardez, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 27, 28, lorsqu'il fait son apologie, sa défense devant Festus et devant Félix, ainsi de suite, il va dire, quand il va finir de parler, il va parler de jugement. La Bible déclare que quand il a entendu qu'il parlait de jugement dernier, il a dit que tu vas bientôt me précéder d'être chrétien. Je vois que tu es fou, ton grand soir te rend fou. Il dit que non, pourvu que tu sois chrétien en dehors de cette chaîne, vous voyez, parce qu'il sait que cette chaîne-ci n'est pas faite de façon humaine. Parce que Jésus, dans son appel, quand il appelle l'apôtre, il a dit que je vais lui montrer de quoi il va souffrir pour mon nom. Il va porter mon nom devant les rois.
Et il ne doit pas aller devant le roi, on va lui mettre les red carpet, des tapis rouges, qui va entrer et dire, monsieur le roi, bonjour, Jésus m'a envoyé venir te parler. Non, 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 non. Jésus a dit, la façon dont il sera amené devant le roi, c'est dans les chaînes. Vous voyez cela? Alors l'apôtre Paul se présente ici comme prisonnier de Christ. Il savait dans sa mission qu'il est fait pour souffrir pour Christ et il va même aller en prison pour cela. C'est pour le nom de Christ, Jésus. Et donc là, il était en prison physique. Maintenant, rentrons dans Hébreux et lisons le chapitre 10. Vous allez voir quelque chose d'amusant là-bas. J'espère que je ne vais pas vite. Quand il va vite, il cite des versets comme ça. Parce que quand il parle, ça ne fait que sortir comme la mitrailleuse. Vous faites la main comme ça sur l'écran. Vous dites comme ça que je vais doucement, d'accord, monsieur? Voilà. Parce qu'il y a des gens là-bas qui je suis sûr qu'après vont me bombarder. Que tu bavardes vite, tu bavardes vite. Je les connais. Alors, Hébreux chapitre 10, lisez le verset 34. Je ne sais pas qui peut nous lire le verset 34 d'Hébreux chapitre 10. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Il y a des choses qu'en prêchant le siècle, s'il n'aimerait pas entendre, je vous le dis. Il y a des choses qu'en prêchant, en tout cas, de toute façon, c'est les Saintes Écritures. La Bible déclare que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, il y a des choses en prêchant, ça arrive, on avance doucement, doucement. Et on avance doucement, doucement. La Bible déclare dans ce livre d'Hébreux, chapitre 10, donc, la sœur Karine, elle est encore là, non, par rapport à ce prisonnier-là. Donc, la Bible déclare dans ce livre d'Hébreux, chapitre... Voilà, merci. La Bible déclare dans ce livre d'Hébreux, chapitre 10, donc, que vous avez en effet eu de la compassion pour les prisonniers. Ici, l'apôtre Paul est en train de féliciter des gens qui sont venus en ordre pour les prisonniers. Puis il dit, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement, pas l'enlèvement des chrétiens, l'enlèvement de vos biens. Ici, ce n'est pas des paraboles. On parle physique, là. Ça veut dire que ces personnes-ci qui apportaient de l'appui aux prisonniers étaient eux-mêmes spoliés de leurs propres biens. Vous venez de donner l'assistance aux prisonniers. On attrape les chrétiens, on attrape les gens, on met en prison. Vous dites, j'ai à cœur d'aller visiter les prisons. Et c'est l'oppression qui était à cette époque. Si c'est OK, quand vous voulez prouver que vous avez de l'argent, on extorque tout ce que vous avez. Et la Bible déclare que ces personnes-ci ont accepté même l'enlèvement de leurs biens. Et puis on dit, dans leur esprit, ils savaient effectivement. Oh, vous parlez des chrétiens modernes. Chrétiens modernes. Bon. La Bible déclare qu'ils avaient dans leur pensée, quoi? Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui dit toujours. C'est vrai, on dit que les chrétiens, s'ils souffraient, allaient en prison. D'autres assistaient les prisonniers de leurs biens. Remarquez très attentivement qu'on n'a pas parlé ici des prisonniers chrétiens. Il n'est nulle part fait mention des prisonniers chrétiens. Donc, on a tout simplement dit, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Point. On n'a pas dit prisonniers chrétiens. De la même façon comme la Bible ne déclare pas que Dieu est le père des orphelins chrétiens. Non, 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 non. Il n'a pas dit que Dieu est le père des orphelins croyants. Non. Dieu est le père tout simplement des orphelins. Parce que la carence de paternité fait office directement que Dieu prend la place de cette paternité. Parce que l'attribut du père vient de lui d'abord, pour commencer. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit ici que, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez les biens les meilleurs, qui dit toujours. Qu'est-ce qu'il en a dit aux chrétiens de ces moments-là? Il est félicité du fait qu'ils utilisaient leurs biens pour se souvenir des prisonniers. Mais maintenant, chaque chrétien dit que non, 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 il faut que j'accumule d'abord ma part. Ma part n'est pas encore bien. Il faut que ça soit beaucoup. Quand j'aurai les milliards, je pourrai avoir les milliers, les dessus des millions maintenant pour pouvoir aider les gens. Non. Quand vous avez petit, vous commencez petit. Amen. Le chapitre 11 encore dans ce livre d'Hébreux. Alors, au chapitre 11 maintenant, cette fois-ci, le verset 36 du chapitre... Verset 36 du chapitre 11. Qu'est-ce que ça dit? Mon frère, s'il te plaît. Oui. Donc, les prisonniers, en fait, ici, ce n'était pas forcément des chrétiens. C'était n'importe qui, en fait. C'est ce qui est écrit là-bas. Vous voulez voir quelque chose qui est amusant, n'est-ce pas? Je vais vous montrer quelque chose. Lisez d'abord le verset 36. J'arrive là maintenant. On va aller voir un prisonnier, d'accord? On va voir un type de prisonnier. Le genre que Christ en a de parler. Allons-y. Verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes de la prison. Le chêne quoi? Le chêne quoi, Emma?
Chaîne de la prison, c'est quoi ça? Dans quelle version ça? Les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Voilà, et la prison, c'est bien dit maintenant, c'est bien dit. Oui. Amen. Et Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Mmh. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dans le monde n'étaient pas dignes. Voilà, c'est bon. Errant. Oui. Et donc, on voit effectivement que d'autres ont été jetés en prison. Je vais vous montrer seulement quelque chose. J'arrive tout à l'heure. Ou préparez le livre de Matthieu. Là, parce que la sœur, on va lire deux passages, deux volets dans le livre de Matthieu. Et puis, on va voir de quoi il est question. Prenons Matthieu, chapitre 25 de Matthieu. Lisons doucement à partir du verset 35. Doucement. Vous connaissez l'histoire, donc prenons dose et déjà à partir du verset 35. Bergie dans la sainteté, bonsoir. Verset 35. Amen. Voilà, allons-y. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. On y va maintenant pour la commenter, pour les commentaires. Verset 30, ma soeur, verset 38 encore, allons-y. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Qui parle là? Qui parle? Qui parle? Il dit qui parle? Toi qui en es lit, qui en es parlé? Qui dit quand t'avons-nous? Qui dit ce qui le parle? Qui dit? Pendant que tu lis, il s'en décrit et il sort des notes là-bas avec les questions. C'est à ceux dont il s'adresse. Non. Lis le verset 37. Allons-y. 37, c'est les justes. Lui répondent. La réponse est devant vous. Qui parle encore? Je repose la question. Qui parle? Les justes, mon frère. Voilà, les justes. Donc, on va aller doucement. C'est les justes qui parlent, n'est-ce pas? Oui. Amen. Et ils sont en train de s'adresser au Seigneur Jésus. Il dit. Amen. Quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons donné à manger, t'avons-nous vu nu et t'avons vêtu, t'avons-nous vu en prison et t'avons rendu visite. Pas vrai? Le Seigneur allait répondre de quel moment il était en prison, il était nu, il était dans le besoin, ainsi de suite. Il dit à quel moment? Quand
Jésus dit qu'ils ils ont visité parce qu'ils étaient surpris que Jésus leur félicite parce qu'ils les ont visités parce qu'ils ne sont pas allés voir la photo des bougies à l'intérieur de la prison. Ils ont rendu manifestement visite à Jésus sans s'en rendre compte que c'était Jésus, pas vrai? Mais Jésus a dit qu'il s'est caché dans des êtres, pas vrai? Qui sont ces êtres? Amen. Qui sont ces êtres-là? C'est... ceux qui sont dans le besoin. Non, regardez, ça c'est le verset qui doit dire, n'interprétez rien. C'est le verset qui doit parler. Verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Stop. Donc il s'est caché dans ces plus petits de ses frères. Voilà où j'ai trouvé Jésus. Pas vrai? Amen. Amen. Oui. Alors on a un problème ici. Je comprends. Mm-hmm. Alors maintenant, je vais vous poser des questions ce soir. Si vous ne répondez pas, je laisserai en suspens jusqu'à ce que vous me trouvez cela. Pas vrai? La sœur, j'arrive. Il sonne d'arriver doucement à ta réponse, d'accord? Quand on va quitter, on va aller au chapitre 27. Maintenant, je pose la question. Jésus s'est caché dans l'un de ses plus petits frères, n'est-ce pas? De ses frères. Il a dit que chaque fois qu'on fait ces choses-là, il a cité le cadre des besoins, le cadre de la nudité, le cadre de la prison. Parce que ses plus petits frères, ils sont dans ces différents besoins-là. Vous êtes prêts maintenant? Je voudrais bien les voir avec le visage pour parler. C'est la sœur Amie, peut-être il en a de préparer. Voilà, elle est là maintenant. La sœur Reine est partie. Oui, tout le monde. Non, je suis là. Je vous regarde bien maintenant et puis je vais parler. La sœur. Maintenant, écoutez-moi. Je recommence. Où s'est caché Jésus? Derrière les frères. Non. Les plus petits. Les plus petits de ses frères, pas vrai? Les plus petits de ses frères. Ceux qui parlaient à Jésus, qui étaient surpris là, ce sont les qui? Qui sont ceux-là qui étaient surpris? Les justes. Non, ses frères, les frères de Jésus. Qui ça? Quels sont ces groupes, ces personnes qui disaient, quand avons-nous vu? Qui sont-ils? D'après ce qu'on écrit. Ce sont les justes. Voilà, la Bible les appelait les justes, n'est-ce pas? Et Jésus leur a donné le renseignement qu'il n'était pas là physiquement, mais il était caché dans un groupe appelé les plus petits de ses frères. Pas vrai? Amen. Nous allons nous intéresser au niveau des justes. Maintenant, vous allez voir que c'est quand même curieux lorsque Jésus va donner le contre. C'est-à-dire que lorsqu'il va s'agir de la punition, vérifions comment il va appeler ceux qui seront également surpris. Comment il va les appeler? Allons-y. Personne ne lit plus. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra. Non, attendons. Amen. Tu t'es arrêté exactement là, à l'endroit où il est répondu. Mais le vrai problème ici, c'est que ce groupe-ci manifestement également surpris. Mais quel est leur nom? Leur nom, c'est maudit. Non, le côté des justes également, quand on les avait demandé de la félicité, rentrons au niveau des justes. Parce que avant que les justes soient félicités, on a dit quelque chose d'eux aussi. Allons-y. Ceux qui sont à sa gauche. Oui. Non, les justes, qu'est-ce qu'on leur a dit avant de commencer à les féliciter? Retirez-vous non. De moi. Les justes. Les justes. Ça c'est pour les gens qui n'ont pas assisté. Il faut que je remonte au verset 37 alors. Tu es obligé, ma sœur. Sinon tu ne trouveras pas. Ok. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu? Non.
Jésus dit quelque chose avant que ces justes-là réagissent ainsi. Chaque fois, il dit quelque chose pour les féliciter ou bien pour les... Allons-y. Tout juste avant. Alors, verset 36, peut-être. Non. 35. Allez, je remonte à 25. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger. C'est après, avant ces versets-là, justement. Alors le roi, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon père. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez effectivement que cette phrase-là, c'est l'équivalent de lorsqu'il a parlé des autres qui sont maudits, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc après avoir félicité en disant que vous êtes bénis, ceux-là seront surpris et puis la Bible déclare, les justes lui répondront. Mais en bas, là, on parle de, allez, vous qui êtes maudits de mon père. Et puis, qu'est-ce qu'on laisse? Comment on les appelle? De les méchants. Tu es sûr qu'on a parlé des méchants là-bas? Non. On parle de méchants ici, mais c'est ceux, en fait, c'est écrit ici, ceux qui sont, à la gauche. Et puis, il dit, retirez-vous de moi, maudits. C'est ce qui s'appelle les maudits. Oui, ceux-là, c'était les bénis, mais ils étaient quand même appelés les justes. Parce que les justes ont dit que quand avons-nous vu? Il y a un groupe qui a aussi dit quand avons-nous vu? Comment on les appelle? Lorsque les gens sont surpris dans les deux camps, on les appelle. Ils ont des noms. Les maudits. Les injustes, non? Il y a les injustes dans votre phrase, frère, mes soeurs et frères. Les maudits. Non. Le maudit, c'est le contre des bénis. On a bien dit, entrez dans la joie pour vous qui êtes bénis de mon père. Ici, on a dit vous qui êtes maudits. Ouais. Remarquez très attentivement que je ne sors pas hors des versets, des cadres là. Ça se trouve là. Je vous pose seulement les questions que vous regardez ces versets, ces différents versets que vous avez lus. Après avoir dit, entrez ici bénis de mon père, on dit, les justes diront. De la même façon, on a dit que vous, allez, éloignez-vous, vous qui êtes maudits. Puis on dit maintenant que ceux-ci sont surpris. Comment on les appelle dans cette phrase? Ceux qui sont surpris en disant, quand avons-nous vu? On les appelle comment? Ils. C'est bien. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Ils. Wow. Ils. Pourquoi on ne dit pas les injustes? C'est là que je vais vous amener. On a parlé des justes là-bas. On a dit les justes sont bénis. Et on dit que ceux-ci sont les maudits, mais on ne dit pas les injustes. Vous voyez des problèmes là. Des problèmes. Je crois qu'il ferait mieux de vous. Il y a l'autre qui baille là. Donc vous voyez, effectivement, ça peut-être une fatigue là, ce soir. En tout cas, nous parlions des prisonniers. Donc gardons cela. J'ai le temps de vous poser des questions. Vous posez des questions. Alors, la question que je pose, première question, qui sont ces justes? Tentative de réponse. Les croyants de Jésus-Christ. Et qui sont ces petits à qui on fait le bien? Ce sont tous ceux qui le craignent sur la face de la terre, qui marchent dans la sanctification et qui... Bon. Ceux qui sont nés de nouveau. Ok. Et les justes, c'est le peuple que Dieu a choisi. Un peuple... qu'on ne connaît pas, que Dieu a choisi. Matthieu chapitre 27. Allons dans Matthieu chapitre 27. Je vous vois venir. Donc, on a des choses à découvrir dans la Bible, pas vrai? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais vous parler de cette brèche-là. Le moment arrive. Il faut qu'on me fuit. Je veux que vous soyez bâtis et puis je vais parler de cela. Vous n'allez pas me fuir. Même si vous me fuyez, vous ouvrez la Bible, vous allez me trouver là-bas. Je vous le dis. Vous allez entendre cette voix-là parler au travers de la Bible. J'ai dit Matthieu chapitre quoi déjà? 27. Lisons les versets 15 et 16. Continuons dans la lecture. Je voulais seulement vous glisser pour vous voir effectivement que ici, on a assisté les gens dans la prison au point où les gens qui ont manqué d'assister sont allés dans le feu à cause de cela. Le ministère d'aide aux prisonniers. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 27, versets 15 et 16. Allons-y, qui va lire là? Alors, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit,
Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Et qu'est-ce qu'ils ont crié? Car il sa... Oui. Car ils savaient que ce n'était pas en vie que les Juifs l'avaient livré, n'est-ce pas? Mais ils criaient, nous voulons Barabbas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de cet homme appelé Jésus? Il dit, crucifié. Alors, Jésus entrant en prison a libéré le prisonnier Barabbas pour prendre sa place. Qu'est-ce que vous en dites? Il traversait dans son parcours jusqu'à la mort, il libérait les gens, jusqu'à la mort. Regardez bien à sa naissance, Dieu, puis sa naissance, il libère les gens. Il libère un, il condamne l'autre. Il libère un enfant, il condamne l'autre. Là, les enfants sont nés, ils naissent, les enfants sont tués, d'autres sont protégés. Il va en Égypte protéger les enfants, il revient en Égypte, il grandit. Oh, vous parlez de Jésus. Et puis là, il traverse là, alors que ce garçon-ci avait péché. La Bible déclare que ce garçon, les Barabbas, avait commis de la sédition. Et la sédition était un crime grave contre ce que vous appelez aujourd'hui, on les appelle les terroristes. Parce que c'est l'atteinte à la souveraineté de l'État. On a dû le libérer. Jésus a pris sa place. Il a pris sa place. Dès qu'il est allé comme ça, il est entré. Barabbas est sorti libre. Donc, on ne lui reprochait plus de rien. Il est monté à Golgotha. Quand il est monté à Golgotha, il a libéré celui qui était prisonnier. Et prisonnier même jusqu'à la mort. Il a libéré l'un, il a condamné l'autre. Alors, vous voyez effectivement que Jésus a un ministère envers les prisonniers. C'est plein dans les Saintes Écritures. Regardez Joseph en prison. Il va en prison en Égypte. En Égypte, deux personnes viennent en prison avec lui. Il libère un, il laisse l'autre crucifié. Ça vous fait quoi là maintenant? Regardez-le. Alors, les prisonniers ont un ministère en leur faveur. Les prisonniers sont en ministère. Les prisonniers sont là pour nous induire dans nos ministères respectifs. Vous remarquez dans le livre de Luc chapitre 8, verset 1, la Bible déclare qu'il y avait des femmes qui se suivaient Jésus. Marie, la mère de... Il y avait Marie de Magdala, de qui il avait chassé sept démons. Et puis, Suzanne, la femme de Souza, tous celles-là qui l'assistaient de ses biens. Donc, ça veut dire que ces femmes le suivaient. Dans le silence, il assistait de ses biens. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 16, verset 1, il parle de Phobée, que l'apôtre Paul dit qu'il a donné aussi aide à plusieurs à moi. Il accueille le comme c'est digne d'accueillir les saints. Et dans Tite chapitre 3, donc, verset 8 et 14, il dit voici ce qui est bien et que notre ce qu'on enseigne aux gens qui ont cru à pratiquer aussi. Vous voyez, quand on a cru qu'on pratique de bonnes œuvres, personne ne peut dire devant Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Si vous ne savez pas ce qu'il doit faire, vous lisez les choses noires et blanches. Vous voyez, ça fait ça. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous lisez quelque chose, il dit souvenez-vous des prisonniers. Quand il a dit souvenez-vous des prisonniers, c'est un commandement. Quand, là, on a vu là-bas que exercer l'hospitalité sans mimer, car en le faisant, plus on loge les saints sans quoi des anges, sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'on a un devoir d'observer. Depuis le jour où vos maîtres vous ont enseigné à l'école primaire et votre maman vous a enseigné comment brosser les dents, vous ne venez pas chaque fois pour dire comme ma maman n'est pas là. Je ne sais pas comment on brosse les dents, je ne sais pas, il faut qu'on me dise pourquoi je brosse les dents. Vous savez ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous a déjà inculqué ça, la notion, vous le faites naturellement. Quand vous levez du lit, vous savez effectivement qu'il faut vous brosser les dents, que c'est la bonne manière. Alors, les bonnes œuvres sont les bonnes manières de la vie christique. Et donc, les bonnes œuvres donc, sont divisées et disloquées dans le corps de Christ afin que les gens puissent se faire selon que le Seigneur leur met à cœur. Il y aura des gens qui auront de penchant pour les prisonniers, qui vont prendre à cœur les autres choses des prisonniers. Alors, sachez que voilà l'appel dans votre direction. Vous devez faire cela. Vous ne devez pas commencer à dire, Seigneur, montre-moi clairement. Clairement, c'est écrit noir et blanc que souvenez-vous des prisonniers. Quand tu vois clairement, ça veut dire c'est ce qui est clair. Pas vrai? Alors, d'autres vont se ressentir sur leur cœur que, oh, quand j'entends, on parle de veuve, mon cœur, je suis ému de compassion pour ces veuves. Dieu est en train de dire que c'est ta direction. D'autres vont dire, ce sont des orphelins. Je vais prendre en charge des orphelins. Il faut que je cherche au moins un orphelin. Quand vous avez déjà ça sur le cœur, demandez au Seigneur, Seigneur, guide-moi vers les orphelins. Vous allez le voir tout autour de vous. Vous serez surpris que des gens qui étaient autour de vous avaient besoin de vous. Souvenez-vous, ces personnes-là sont dans le manque afin que vous soyez les bienfaiteurs. Ne manquez pas Jésus-Christ en les manquant. Ne manquez pas Jésus-Christ en les manquant. Tu as compris ce qui sont les prisonniers, n'est-ce pas, sœur? Après, ça suscite une question encore. Hein. Attends d'abord. La sœur Reine, c'est bien compris maintenant avec les prisonniers? Oui, c'est compris, mais prisonnier, en fait, il y a toujours un problème. Oui. Je comprends bien que oui, c'est comme tu dis, mon frère, s'il faut aider les prisonniers. Donc, ce que je veux être sûr d'avoir bien compris, donc c'est tout prisonnier, en fait, sans exception. Bon, dans une cellule de prison, disons que le frère Trabi est fermé dans la prison d'Abidjan. Disons que le frère Trabi, n'est-ce pas, est fermé dans la prison d'Abidjan. Et dans sa cellule se trouvent les mondains. Tu apportes un plat de riz seulement pour le frère Trabi parce qu'il est ton frère chrétien. C'est normal, ma soeur?
Non, ok, okay. Ça va. Donc, souvenez-vous d'être prisonnier, pas vrai? Souvenez-vous des prisonniers. Mm-hmm. Alors, des questions? Le frère Trabitch, oui. Dans cette même lancée-là, en fait, quand je le vois, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 25, voilà, il explique un cas là-bas, un cas entre deux personnes, par exemple, qui ont eu... qui ont eu des différends. Après, voilà, qui ont eu des différends, et ça va jusqu'en prison. Oui. Donc, est-ce que un chrétien, soit avec un mondain, tout ça peut avoir un problème qui peut aller jusqu'à là-bas? Est-ce que le chrétien peut condamner, peut permettre que ça se passe comme ça pour une personne? Il peut le faire. Pardon? Il peut le faire. Est-ce qu'il doit le faire? Ça, c'est une autre question maintenant. Je pose parce une question. Parce que le Seigneur nous demande de nous souvenir des prisonniers. Oui. Est-ce que nous devons envoyer des gens en prison pour un problème? Vous savez, suivez très attentivement. Suivez très attentivement maintenant. Le droit qu'on donne aux chrétiens n'est pas un droit à exercer de façon absolue lorsque les gens sont ignorants et coordonné par le ténèbre en face d'eux. Le droit que la Bible donne aux croyants n'est pas à être exercé de façon absolue lorsque les chrétiens, eux, doivent et sont censés savoir que ceux qui sont en face d'eux, ce n'est pas contre eux qu'ils ont à lutter, c'est contre les esprits. Maintenant, je vais vous mettre les cas au-devant de vous. Vous rentrez un de ces soirs, vous voyez que quelqu'un a violé votre petite fille. La petite fille en train de pleurnicher au point où elle est sang partout. Vous connaissez la personne qui l'a fait. Ça, c'est un cas de viol sur mineur. Vous portez plainte ou ne portez pas plainte? Seigneur, augmente ma foi. Laissez le Seigneur tranquille là, maintenant. Répond à la question. Ouvrez les micros, parlez. Vous ne pouvez pas parler. Parlez maintenant. C'est dur, maintenant, hein, mon frère. Je porte plainte, moi aussi. Je porte plainte. On va aller personne par personne. Ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. Je vais appeler votre nom, vous dites, et puis vous justifiez. Donc, ne profitez pas de la pluie pour pouvoir parler comme ça. On commence. La sœur Mimi de Dakar. Qu'est-ce que tu fais? Je porte plainte. On l'enferme. Ah oui. Après, maintenant, tu te souviens du prisonnier selon Hébreux chapitre 13, verset 3. Je n'ai pas entendu quand elle lisait, malheureusement. Ben, profite-en pour lire dans ton livre. Je reviens à toi. D'accord? D'accord. Verset 3 de chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 3. On passe maintenant à la maman de Shana. Souvenez-vous, ce que je viens de dire n'est pas une prophétie sur votre fils. Ça n'arrivera pas, d'accord? C'est un test seulement parce qu'il faut qu'on touche là où ça fait mal. Alors la soeur, la maman de Shana, qu'est-ce que tu fais? Tu portes plainte ou tu portes pas? Ou bien tu passes? Je vais porter plainte. Pourquoi? Parce que je suppose que les gens, que le Seigneur a mis les gens de la loi pour punir les gens qui font le mal. Si c'est ton petit frère qui l'a fait, qu'est-ce que tu fais? Mais je porte aussi plainte. Si c'est ton père qui avait fait cela à ta fille. Bon, comment encore? Je n'ai pas rappelé ça au niveau de la famille. Non, je reviens tout à l'heure parce qu'on voit dans les familles comment des membres de la famille violent les enfants des membres de la famille, pas vrai? Et même, il y a des filles qui sont en train de m'écouter maintenant qui ont été violées même par leurs propres parents. Et elles n'osent pas parler. Ici, ça amène la possession au plus haut degré, dans le troisième degré de la possession. Ouais. Bon, je vais revenir sur cela. Je crois que c'est quelqu'un concerné là. Alors, revenez, la maman de Shana, si c'est ton papa, qu'est-ce que tu fais? Tu portes plainte? Non. Si c'est ton petit frère, tu portes plainte? Je n'ai pas plainte. Oui. Si c'est ton petit frère, tu portes plainte? Bon, je dirais que je vais essayer, mais je ne crois pas aussi que je pourrais porter la plainte. Tu vas essayer d'écrire la plainte, mais tu n'as pas pouvoir finir la phrase, quoi.
Non, je dirais que j'aurais l'idée de porter plainte, mais j'aurais pas la force. Bon, on résume. Si c'est qu'un inconnu, tu portes plainte ou tu ne portes pas plainte? Un inconnu, je vais porter plainte. Si c'est ton petit frère, tu portes plainte ou tu ne portes pas plainte? Je ne vais pas porter plainte. Si c'est ton père, tu portes plainte ou tu ne portes pas plainte? Je ne vais pas porter plainte. Après, il vient te dire, pardonne-moi, pardonne-moi, laisse-moi encore dormir avec l'enfant. Tu dis quoi? Non, je ne peux pas le laisser dormir avec lui. Mais l'amour n'exclut pas, l'amour ne soupçonne pas le mal, dit la Bible, pas vrai? Non, ça ne soupçonne pas, mais il l'a fait. Mais là, il dit qu'il ne ferait plus. Tu le soupçonnes encore de quoi? Non, je ne peux faire. Pas. Je ne peux plus jamais avoir confiance en lui. Mais l'amour. Même ça... si je ne porte pas plainte, je ne peux plus le laisser dans l'espace de mes enfants. Donc tu soupçonnes qu'il peut encore faire ça, quoi? Je ne soupçonne pas, mais il l'a fait. Il a donné la preuve qu'il est. Il n'est pas crédible. Donc tu es seulement prudente, quoi. C'est clair. Oui, dis-nous pourquoi tu dois porter plainte quand c'est un inconnu. Bon, parce que je suppose que le Seigneur a mis les gens de la loi pour punir ceux qui font le mal. Maintenant, si la loi de ton pays dit que c'est la protection, tu fais comme ça pour tes frères et pour ton père, tu protèges le malfaiteur et on te porte plainte, qu'est-ce que tu accepteras souffrir pour eux? Encore, je n'ai pas bien compris. La Bible déclare, vous voyez dans le cas des pédophiles à l'église catholique, l'une des choses qu'on reproche au prélat, c'est de connaître que les prêtres qui sont sous leur garde font de la pédophilie et ils protègent ces pédophiles, donc ils ne les livrent pas à la justice. Et on parle donc de participation de façon indirecte ou bien de façon directe ou bien illicite à la participation de ces différents crimes qui sont commis contre les enfants. Donc on reproche à l'église catholique du fait qu'ils ne livrent pas les coupables. Et donc, est-ce que la justice ne pourrait pas aussi te porter plein, enfin, te trousse du fait que tu protèges les coupables en protégeant ton frère ou bien ton père? Bon, ils peuvent être à mes trousses. Ils peuvent être à mes trousses, mais... Tu accepteras souffrir. C'est difficile. C'est difficile. Dis-nous, pourquoi tu laisses, tu livres l'inconnu? Pourquoi tu porteras plainte quand c'est l'inconnu? Peut-être que je porterai aussi plainte si quelque part la loi m'y oblige. Mais si la loi dit par exemple que les enfants doivent suivre le cours d'homosexualité, mais toi tu vas quand même refuser l'autre là. Oui, oui. Mais pour l'autre, si on dit que la loi oblige de porter plainte, tu vas quand même porter plainte pour ton père aussi. Oui, je vais porter plainte, on va tous se retrouver là-bas. Et après, tu vas. Et ton père ira en prison maintenant pour 12 ans de prison. Et tu vas te souvenir des prisonniers, pas vrai, selon Hébreux 13, 3. Oui, après. Le corriger un petit peu. J'irai plus lui donner à manger. Mais c'est toi qui l'as mis en prison, tu lui donnes à quoi manger, ma soeur? Oui, oui, c'est pour qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Oui. Bon, maintenant, la soeur Suzanne y arrive. Même question, Suzanne, tu feras quoi? Franchement, mon frère, c'est difficile à répondre. Hein. C'est un cas vraiment, quand on n'est pas encore, on ne vit pas la chose, on ne peut pas anticiper comme ça. Franchement, c'est pas... Moi, je serais tentée de dire que, étant chrétienne, je demanderais d'abord... Enfin, bon, je serais dans la douleur, bien évidemment, hein, c'est sûr. Mais vu que, bon, on va anticiper la chose. En tant que chrétienne, je vais demander la direction du Seigneur, malgré la douleur. Demander au Seigneur sa volonté, quoi, sa volonté. Et puis aussi, il y a un passage de la Bible qui dit qu'il ne faut pas qu'on rend le mal pour le mal, en fait. Non, il y a des passages qui le disent. Des passages, c'est au pluriel, ma soeur. Oui, des passages, effectivement, qui disent que ne pas, et puis que le chrétien ne doit pas, comment dire, on ne doit pas apporter nos affaires, laver notre linge sale devant le monde. Est-ce qu'on dit cela d'un chrétien et d'un mondain? Non. Non, 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 non. Oui, alors là, c'est pour ça que je pose la question au cas par cas. Il demande, la personne qui viole cet enfant se trouve être un inconnu. Tu portes plainte ou tu ne portes pas plainte?
Encore une fois, là, franchement, comme je disais tantôt, je demande la direction au Seigneur. Ça va être ma réponse parce que c'est assez délicat. Notez Romains chapitre 12 et chapitre 13. On va croiser les deux passages là-dedans concernant ces sujets. Mmh. Ces sujets. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça ne vaut pas la peine de poser encore la question à César. Ça veut dire qu'encore une fois, donc, on continue seulement. On avance à qui maintenant? Vers qui? La sœur de Dakar, je crois qu'elle tout à l'heure disait qu'elle ne comprend pas. Donc, avec le temps, là, elle a su ce que veut dire prisonnier, des souvenirs du prisonnier de Hébreux chapitre 13. Alors, la sœur Mimi, qu'en dis-tu maintenant par rapport à la question? Tu porteras plainte ou tu ne porteras pas? Tiens, je maintiens que je porte plainte. Bon, si c'est ton frère, tu portes plainte? Je pense que oui. Si c'est ton père, tu portes plainte? Je pense que si c'était ton mari qui le fait. Je pense que si c'était ton mari, tu portes plainte. C'est pire. Puis tu portes plainte doublement. C'est pire. Ouais. Et si c'est tourné, il dit chérie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a si pris. Si c'est qui? S'il se tourne, il dit chérie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu fais comment? Mon fils. Non. Mon fils. Non, je dis ton mari. Si c'est lui qui avait commis ouais. cette gaffe-là et qui puis se tourne, il dit chérie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu portes plainte. Ah ouais, non, je pense que ça. Ah, sur un enfant? Si ton enfant, son enfant à lui. Ah ouais, non, je peux pas. Tu vois, sauf que porter plainte, quoi. Ouais, je pense que je vais porter plainte. Après la plainte, tu seras satisfaite. On passe maintenant du côté de Myriam. Myriam, tu feras quoi? Je suis pas sûre que je sois satisfaite, mais je vais le faire. Tu vas seulement porter plainte. Oui. Myriam? Oui, frère, si c'est toi, tu portes. Quelque chose est arrivé dans ton enfance. Bon, de toute façon, pardon. Allons-y ici, Myriam. Tu veux qu'on en parle? Oui, frère Jimmy. Ça, c'est délicat, ça. Myriam, nous répondons à la question, continue avant qu'on m'amène dans une direction ce soir-ci. Si cette chose, si ça arrive, tu portes plainte ou tu ne portes pas plainte? Je porte plainte. Que ce soit ton enfant, un inconnu ou bien ton père, tu portes seulement plainte. Ton mari, tu portes plainte. En principe, oui, je vais porter pleinement. Mais c'est vrai que quand il y a déjà des liens émotionnels, des fois, la décision peut changer quoi, pour beaucoup d'autres. Oui, parce qu'il y a ces liens d'âme. Mais est-ce donc, que le lien émotionnel sera-t-il plus fort que le lien de sang de cet enfant et brisé, cet avenir brisé, cette innocence brisée? Ce sera le lien, quel est le lien émotionnel qui sera plus fort que cette carrière brisée? Tu dis, j'ai un inconnu vieux, mon enfant. Oui, il n'y a pas de lien là. Tu non, je porte plainte, je porte plainte. Si c'est ton mari? Je porte plainte. Si c'est ton fils? C'est un peu difficile, c'est mon fils, parce qu'ils sont des frères et sœurs. Oui. Si c'est ton frère? Si c'est mon frère, je porte plainte. Tu portes plainte. La sœur amie, tout naturellement. Je porte plainte aussi, famille ou pas famille. Sans exception. Sans exception. La sœur amie. La sereine. Et je demande pardon et je lui pardonne bien sûr mon frère. Oui, que tu dis pas, je te pardonne, mais va quand même là-bas en prison quoi. Voilà. La sereine, qu'est-ce que tu fais? Oui. Ah, moi je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? La question c'est, tu portes plainte ou tu ne portes pas plainte? C'est la question. Mon frère, je n'ai pas là, en fait, pour me justifier. Si ça arrive, tu feras comment? Oui, le frère Trabi, dis-nous, tu fais comment? Oui, mon frère. En fait, selon moi, je vois que ça dépend des degrés de foi de son cœur. Parce que la parole de Dieu est écrite. Quand on va pousser un peu plus loin, nous allons voir que le Seigneur dit même jusqu'à combien de fois nous devrons pardonner, Seigneur, comme on appelle, à ceux qui nous font du mal. Pierre pouvait demander au Seigneur, il avait dit jusqu'à 7 fois. Donc, avec tous ces passages-là, vraiment, pour la grâce de Dieu, pour que ces versets-là vraiment plongent dans ton cœur, réjaillissent une fois. Oui, mais le verset dont tu viens de parler, il est dit que si quelqu'un te fait quelque chose à toi, là, on a fait à un enfant, et tu es le protecteur de cet enfant-là. Alors, le verset, est-ce que ça te concerne l'enfant-là?
ça concerne l'enfant en fait. Mais étant le père, je suis impliqué. Donc tu décides de protéger le pédophile au détriment de l'enfant qui a ses droits. Non, je dois vraiment l'envoyer là-bas en prison. Si c'est ton pasteur principal. Si c'est ton pasteur principal qui t'a consacré, qu'est-ce que tu fais? Il doit rentrer là-bas. Même ton pasteur? Oui, oui. S'il t'écoute, je crois que il va enlever son titre qu'il t'a donné. Allons-y maintenant. En fin de compte, prenons la soeur Christiane. Je crois que... la soeur Christiane. Son micro est fermé là. Oui, oui, oui. Moi, le frère disait, je ne pense pas que je vais porter plainte. Mais non, je ne suis pas dans le feu de l'action. Mais je sais que par rapport à la marche avec le Père, le Seigneur nous appelle il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc, normalement, l'objectif est de s'attendre à Dieu et de crier à sa justice à lui. Quoi. Mm-hmm. Bon. Pas à déporter plainte devant les autres. Ok, maintenant, je vais poser. Ouvrez donc Romains chapitre 12, prenons le verset 19, lisons. Et puis, on va croiser avec Romains chapitre 13, verset 4. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice-là, quoique difficile, pas vrai? Amen, amen. Vous voyez qu'en posant la question, alors que l'acte n'est pas arrivé, vous voyez à quelle émotion vous vous êtes soumise, n'est-ce pas? Et ça ne va pas arriver, frère. Tu fais ça, non. Oh, Seigneur. Je crois que je l'ai dit en attendant, puisse le Saint-Esprit préserver cette langue que si vous n'êtes pas orienté à ce que ça arrive. Parce qu'en réalité, c'est pour les incites. Romains chapitre 12, verset 19. Puis Romains chapitre 13, verset 4. Romains chapitre 12, verset 4. Tu rejettes ça au nom de Jésus, n'est-ce pas, ma soeur? Ah, oui, ça. Ben, juste dans la sainteté, ça fait 2 heures et 1 minute que nous travaillons. Alors, Romains chapitre 12, verset 19. Allons-y, ma soeur. Ne vous vengez point vous-même. Stop. On a dit quoi? Ne vous vengez point vous-même. Point, ça veut dire quoi? Jamais. Point, pas du tout. Mm-hmm. Vous-même. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bien-aimé, mais laissez agir la colère. Donc, même si vous êtes en colère, il faut faire quoi? Ne vous vengez point. Mm-hmm. Continue, ma soeur. À moi la vengeance, moi la rétribution. Oui, relis encore à partir de bien-aimé. Bien-aimé, parce que tu as connu cette partie-là. Pardon? Ne vous vengez point, bien-aimé. Allons-y, oui. Continue, ma soeur. Ne vous vengez point vous-même. Mm-hmm. Bien-aimé, continue, ma soeur. Mais laissez agir la colère. Mm-hmm. Car il est écrit, à moi la vengeance. L'apôtre Paul, quand il dit laissez agir la colère, il veut dire laissez passer la colère. C'est ce qu'il a donné dit. D'accord? Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un peut lire comme ça, il dit que comme il était en colère, il a laissé agir la colère, que la colère agisse. Il tue la personne, il a laissé la colère. Il a dit laisser passer la colère. D'accord? J'ai agi la colère. C'est ce que j'allais poser comme question. En fait, oui. Donc, il a dit mon grand frère, il a dit là-bas que laissez passer la colère. Que calmez-vous, amen, que la colère se passe. Vous pouvez être en colère, calmez-vous que ça se passe. Parce qu'arrêter tout ce qu'on fait dans la précipitation de la colère va toujours nous amener dans le péché. D'accord? Voilà, continue dans la lecture, ma soeur. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, voilà, dit le Seigneur. Donc vous voyez effectivement que ici l'apôtre parle de mettre en garde parce que sous le coup de la colère, quelqu'un peut prendre la matière et dire qu'il m'en va me venger. Parce qu'il fait comme ça pour se venger. L'apôtre Paul dit que non, ne fais pas ça, laisse agir la colère. Donc ça veut dire laisse passer la colère. Parce que s'il n'y a pas de colère, tu n'auras pas le feu de l'action pour aller agir en conséquence. D'accord? Voilà. Non, attends, ma soeur, garde ta question, garde-la précieusement, d'accord? Maintenant, gardez ceci à l'esprit. Si vous parvenez à garder un verset à l'esprit, gardez celui-ci. Puis comparons maintenant et croisons cela avec Romains chapitre 13, verset 4. Allons-y. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir, puisque c'est dans le même livre, vous pouvez ouvrir et garder le doigt. Vous allez voir ça tout à l'heure. Allons-y. Alors, verset 4 du chapitre 13 de Romains. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Souligner, serviteur de Dieu pour ton bien. Souligner le groupe de phrases là. Très important.
On n'a pas dit le pasteur, on a dit le magistrat. Et ils sont dehors comme ça, ils insultent les chrétiens, ils insultent le Dieu d'Abraham, ils ne savent même pas qu'ils sont les serviteurs de ce Dieu-là. Il m'amuse seulement là dehors. Allons-y. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Oui. Mmh. Ok. Bon. On va croiser dans les. Vous êtes prêts? Brigitte dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Dieu vient de nous expliquer qu'il y a des corrections qu'il va amener sur la terre au travers de certains hommes appelés magistrats. Que sa vengeance, la vengeance dont il parle, n'est pas seulement la vengeance au jour du jugement. Que sur la terre, il punit des gens à cause du mal qu'ils ont fait. Et si les magistrats le font, ils sont en train d'exercer la vengeance de Dieu. Alors, vous voyez, donc, dans les codes pénales, dans différents pays, on dit que nul n'a le droit de se rendre justice parce qu'il y a des gens qui sont établis pour cela. Oui, la sœur Christiane, tu voulais poser une question. Ma question, c'est par rapport à laisser agir la colère, laisser passer la colère. Donc, ça veut dire que si tu as subi un truc comme ça, le Seigneur comprend ta colère. Ça veut dire que tu as le droit d'aller d'exprimer ta douleur, d'exprimer ta colère, sûrement pas de péché. Non, il n'a pas, par exemple dit que si tu es en colère, tu tapes ta tête au mur pour que la colère passe. C'est pas cela, c'est pas la manière de. Je dis que tu as le droit de manifester parce que parfois je me disais que parfois on est en colère, on a des situations qu'on vit. Peut-être même le fait de se plaindre. C'est vrai que c'est tellement dur que même le fait de se plaindre aussi. Mais franchement, on se plaint, on crie, on barrage, on s'énerve. Non, la question devrait plutôt être comment laisser agir la colère. Ou mieux, comment faire passer sa colère. D'accord? C'est la question. Mais ce n'est pas en exprimant ce qu'on a dans le cœur. Parce que si tu exprimes cela, tu vas justement pécher. Parce que ça va sortir avec la colère. Et tu n'es pas Dieu pour pouvoir maîtriser ta colère. Dieu lui-même a un jouet de colère dans son cœur qu'il va exprimer. Et quand il exprime, il punit, gâte seulement tout. C'est ce que Dieu a dit qu'il va faire. Il va dire que le jour de colère, c'est un jour de ténèbres. Là, un jour de nuit, de puissantes ténèbres. Pas vrai? Un jour de destruction. Quand il va se fâcher, il va faire. Oui. Donc, ça veut dire que si on fait quelque chose à ton enfant, ou qu'on te fait quelque chose ou quoi, si tu te mets, par exemple, un jour, c'est trop. Tu comme te mets à crier, tu parles, tu pleures, tu cries. Tu parles maintenant, alors que tu n'es même pas en colère. Donc, tu ne peux même pas parler comme ça. Tu risques de prendre la matière à ce moment-là. Donc, en réalité, Dieu ne veut pas qu'on. On travaille derrière la colère avec la vengeance. D'accord, ma soeur? Moi, je me disais que c'était le Seigneur permettait, quand il dit laisser passer la colère, c'est le temps de la guérison. C'est ce que moi j'ai compris, c'est alors, le temps de la guérison. Alors, comment tu devais laisser ta peur passer? Alors, exprimer ça comment? Pardon? Toi, tu devais exprimer ta colère comment? Je ne sais pas si le coup, je suis sûre et certaine que peut-être je ne vais pas porter plainte, c'est vrai, mais j'aurai quand même des moments où je vais pleurer, je vais crier, je vais pas être contente. Oui, mais il faudra le temps que clair. Je passe, il faudra le temps que je, dans la présence du Seigneur, que je guérisse. Justement, c'est cette période-là qui dit qu'il faut, laisser. Dieu veut dire, laisse, n'agis pas dans la colère, laisse, ça va passer. Et c'est Dieu qui amène la guérison durant ce processus-là. Amen. Ah, ok, c'est bon. Parce que moi, je dirais que même ça, je n'ai plus le droit. C'est-à-dire que non, je ne suis pas assez possible. Dans ce cas, vous serez des robots, des statuettes, des maris. Alors, en croisant ces deux passages de Romains chapitre 12, verset 9, verset 19, et puis Romains chapitre 13, verset 4, qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Je vous dis, qu'est-ce que vous comprenez? En fait, ce que moi, je comprends. Il y a quelque chose que j'ai gardé quelque chose au frigo encore. Je vous attends. Oui, allons-y. Frère, ce que moi je comprends, c'est que le dernier mot, en fait, dans tout cela, appartient, parce que, bon, appartient vraiment aux magistrats, c'est eux qui décideront ce qu'ils vont faire, en fait. Le dernier mot, c'est pas toi qui va faire quoi que ce soit, ce sont eux qui vont. Les législations stipulent que si tu ne portes pas plainte, il n'y a pas d'action de poursuite judiciaire. Exactement. Toi, tu dois devoir engager quelque chose pour engager l'État ou bien le ministère public à enclencher le processus de la quoi des poursuites. Donc, c'est entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais? N'essaie pas d'esquiver. Ils doivent rentrer là-bas, ces gens-là. C'est vraiment compliqué. Hein?
Mais je pense qu'en restant dans la présence du Seigneur, le Seigneur va sûrement créer une situation où la personne va. Parce que, en fait, pour moi, moi, dans mon cœur, comment je vois ces choses-là, et comment je m'applique déjà à. Je m'entraîne, je m'exerce déjà à pouvoir, répondre à cela le même de ces jours. Je me disais, moi, je me dis quoi dans mes jours, de tous les jours, je dis quoi? Je dis, si un jour ce problème-là arrive, si y a un problème avec, il est différent avec quelqu'un, je sais que c'est moi qui ai raison, si même l'affaire va aller jusqu'à là-bas, je peux permettre que cet homme-là rentre là-bas et puis je vais le nourrir encore pour lui montrer que je l'aime. Mais c'est parce qu'il a commis cette action-là qu'il puisse entrer là-bas pour que ça lui serve de leçon. Mais moi-même, j'irai encore le nourrir là-bas. Moi, dans mon cœur, c'est comme ça que je vois les choses. Combien de prisonniers sont entrés dans la prison sortis par correction? Quand la grâce présentielle est donnée, quand ils sortent là, tu les vois, ce sont les mêmes qu'on libère là qui sortent pour agresser les gens, frère. Oui. Maintenant, je vous pose une question donc, qui est liée à cela. Cet homme qui fait cela est un pédophile réputé, dont il est possédé. Qu'est-ce que vous faites pour lui? En l'envoyant en prison, est-ce que vous réglez le problème? Non. Ou mieux encore, je redis encore autrement. C'est un garçon qui est passé quelque part et les francs-maçons ont dit pour pouvoir avoir le pouvoir, il faut coucher avec l'enfant de tel. Il vient le faire. Et décharge comme ça le boa sur votre enfant ou bien le serpent cobra. Qu'est-ce que vous le faites? Mais frère, ça suscite une autre question. Parce que pourquoi le Seigneur dit qu'on n'a qu'à corriger nos enfants, ça les délivre de la folie? Ça, c'est le démon de la tétutesse. Nous parlons ici des démons, les démons qui sont passés par les sexes et exactement pour les rituels. Qu'est-ce que tu vas faire à cette personne? C'est cette personne-là dont il est question, pas ton enfant pour le moment. L'enfant est victime, tout simplement, tu ne peux pas le corriger. Justement, donc on laisse l'enfant, c'est l'homme. Non, c'est la réaction vis-à-vis de la personne qui a fait ça à votre enfant que nous examinons ce soir. J'ai dit, il y a pris deux cas. Premier cas, la personne était un pédophile. Voilà, le frère Frédéric dit qu'il faut seulement prier. Donc quand j'entends que ton enfant est violent, tu dis, Seigneur, je te prie. Tu guéris cette personne. Ben, j'ai dit, là, cet été, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Mais est-ce que déjà en tant qu'enfant de Dieu, c'est des choses qui pourraient même arriver à nos enfants? C'est vraiment une question folle. Est-ce que ça devrait arriver à nos enfants? C'est pas, ça ne peut pas dire qu'il y a un problème quelque part. Toutes choses concourent bien de celui qui a. Doucement, doucement. La sœur Christiane. Je peux dire quelque chose? Attendez, doucement. Christiane. Doucement. La sœur Christiane. C'est autre chose. La sœur Christiane. La sœur Christiane. Repose ta question, c'est légitime. Allons-y. J'ai dit que c'est peut-être fou ma question parce que je ne veux pas que Dieu me mette à l'épreuve, mais je dis, est-ce que c'est un enfant de Dieu, ça devrait lui arriver ce genre de choses? Est-ce que ça devrait arriver à un enfant d'un enfant de Dieu? Ouvre ta Bible alors. Ouvre ta Bible. Je peux dire quelque chose, un témoignage vécu vrai. Oui. Il y avait une famille à côté de nous. Cette famille craignait Dieu et toutes les filles étaient vierges. Les voleurs ont surgi là-bas une fois, une nuit. Ils ont violé les filles, toutes les filles vierges devant le père. C'est vrai, même l'histoire de Dinah. Après ça, le père a eu un AVC et il n'a pas duré, il est mort. Ils sont là, la veuve est là jusqu'à présent. Dieu c'est l'ami de ma mère. Mais peut-être on pourra dire maintenant on est au moment où peut-être ils n'adoraient pas Dieu. Peut-être il y avait le péché là-bas. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 34. Non, ouvre ta Bible. On va lire maintenant. On dit d'abord, on a violé Dieu. C'est toi qui as posé la question. On va lire vraiment lire ça. C'est comme frère, j'ai dit qu'il y a dépassé maintenant. Ah, donc maintenant tu as compris que c'est dans la Bible. Les gens qui prennent Dieu. Voilà. Tu as compris. Ok, donc comme tu connais que c'est dans la Bible, donc c'est dans Genèse, chapitre 34, n'est-ce pas? Maintenant, je pose la question. Qui est Dinah? La fille de qui? Jacob est qui? Le fils d'Abraham. Le prophète du Seigneur. Le prophète du Seigneur. Donc personne n'est épargné. D'accord, ma soeur? Bergé dans la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée, frère Jacob. Que la grâce. J'étais très content aujourd'hui de participer. Depuis Abidjan. C'est Amen. Ça. Amen. C'est un peu Dieu ne nous fasse pas ça. Et tiens-toi bien, ma soeur Christiane. Jacob a refusé que ses fils se vengent. Voilà.
Christian n'est pas. Tu as entendu ça? J'ai entendu. Je sais que je peux. Si ça arrive par la grâce de Dieu, je ne vais pas me venger, mais je ne veux pas que ça m'arrive. Amen. 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 C'est une épreuve très difficile. On laisse faire le Seigneur. Amen. C'est très difficile comme épreuve. Et que Dieu fortifie tous ceux qui passent par cette épreuve. Pourquoi il dit que le Seigneur augmente la foi de chacun? Amen. 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 Donc, on résume que Jacob a refusé au point où, quand ses enfants qui sont allés venger, Jacob a dû les corriger en donnant les malédictions dans leur génération, oui. N'est-ce pas? Oui. C'est ça, non? Mm-hmm. Ils ont quitté le pays à cause de ça, le territoire. Mm-hmm. Donc, vous voyez que ce soir, nous avons touché le cas des viols, n'est-ce pas? Amen. Bonne soirée. By the grace of God, I shall win this battle. By the grace of God, by the grace of God, by the grace of God, I shall win this battle. By the grace of God, I shall win. By the grace of God. Falling apart. I remember when people were being persuaded to rule. It's not like that today. Today's leadership has turned to a do or die affair. I remember when thieves operated only at night, not in these days. Thieves prefer to operate in broad daylight. Without minding a armed security men on guard, things are really falling apart. I remember when our youth are eager to learn, but it is no more like that in these days. Our youth are curious to know better than old ones. Things are falling apart. I remember also when there was love amidst people of God, but today, jealousy and hatred have been the order of the day. Things are falling apart. I remember again when servants humble and submit themselves to their masters, but nowadays, servants are now proud and feel they know better than their masters. Things are falling apart. I remember when things were still okay, when mothers still breastfeed their babies. But instead, they now choose to give foreign milk to their children in excuse of not allowing their breasts to fall. Things are really falling apart. I remember those days when one could use 1 shilling to buy something in the market and still have some balance. It is no more today.
I remember when there was still fear of God in the life of many. But today, many are behaving like animals. I could remember when a bag of cement is sold for 100 naira. But now a bag of cement is now sold for 1,400 naira, making things difficult for a common man. It is true that things are falling apart, but our God must surely see us through. If they like, let them sell a bag of rice for 10,000 naira. The children of God must survive. And even sell a bag of cement for 3,000 naira. The children of God must surely survive. Let them also raise a liter of wealth for 200 naira. The children of God Most High must definitely survive. Bonsoir et bienvenue dans la sainteté. Bonsoir et bonne nuit à tout le monde. Bonsoir. Personne ne veut plus partir, personne ne veut plus rentrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.